c'est Hamelin qui récupère. Hamelin, belle fin est là-dessus. Hamelin, le tir est contre. Oh, quel but! Oh, quel but sans l'échec! Vous l'avez le point, attention! Un peu dans les lances! Et qui Charpentier avec le 10, contre de l'autre côté, le but! Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à la source LNH, le balado officiel de la Ligue nord-américaine. Aujourd'hui, à l'émission, 20e émission du balado. Donc, on va recevoir là, aujourd'hui Eric Haley, l'entraîneur là, du Troel de Rivière-du-Loup. On va parler des quelques nouvelles là, dans les prochaines minutes avant de recevoir notre invité. Le TIF nous a concocté là, son scénario là, pour les séries. Là, les scénarios possibles. Ouais, j'espère que vous avez un crayon et une feuille de papier parce que c'est quand même assez compliqué. Ouais, ça. Les paris vont être ouverts, la mise au jeu, les pronostics. Tu sais, comme au stade, c'est comme le gars qui fait comme les pronostics avant pour que le monde puisse faire leur pari après. Donc, ça va être un peu ça ce soir. On va parler des matchs, bien sûr, là, qui ont eu lieu le dernier week-end. Puis le TIF. Un petit quiz aussi là, à la fin. Là. Donc, il y a quelques semaines qu'on n'avait pas eu. On a eu la demande. Donc, la demande sera comblée. Donc, on pourrait peut-être dire quelques salutations là, avant que je vous laisse aller un peu pour les quelques nouvelles et que je partage le podcast dans les différents groupes. Mais Félix Dallaire qui dit « Salut David, Eric ». Donc, pas de salut à Seb. le cousin qui dit « Hey, coucou les boys! Hein? » J'ai dit « Salut, Félix! » Stéphane Bailey qui dit « Salut les boys! » Ah, finalement, il nous a dit « Salut, Félix! Oh. » Martin Deslan qui dit « Bonjour les boys! » Denis Arsenault qui est parmi nous là, avec un petit vino blanc du Portugal là, aujourd'hui. Donc, Je pensais qu'il était au Portugal. From Portugal! François-Michel Bujol qui dit « Yo les boys! » Les gars, je vais vous laisser aller là, avec les quelques nouvelles. Je vais partager là, dans les différents groupes. Ben, il y a eu vendredi un hommage là, à Bob Berger. Oui, ben, je vais prendre la parole parce que j'étais sur place. C'était très plaisant. Là, Bob, c'est quand même quelqu'un qui est une icône dans la Ligue, malgré le fait que je n'étais pas dans la Ligue quand il était là, mais c'est une personne qui a mis le hockey senior à Laval. C'est quelqu'un, une des raisons pourquoi il y a du senior à Laval, que ça lève des foules depuis des années. C'était très le fun. On a vu des anciens. Il y avait beaucoup d'anciens sur la glace. Ça a été le fun de voir aussi le fameux chapeau de cowboy qui était donné à tout. Je pense que Laval avait donné ça à tout le monde. Là. Il y en avait pour les entraîneurs. On a vu Larry. Je pense que Larry était content d'avoir un chapeau pour une fois, vu qu'il n'y a pas de cheveux. Il était bien excité de mettre un chapeau. Ouais, j'ai lu sur Story Instagram aussi. Il faisait bien, Larry était bien excité. Non, mais c'est fun, les joueurs qui ont embarqué sur la glace avec un chapeau de cowboy aussi pour l'équipe nationale. Ça a été très fun. On va revenir sur la game un peu plus tard, mais ça a été très, très plaisant. Il y avait du monde dans le building. Ça a été une belle soirée. Là, puis c'est triste pour le coup, l'FM, mais pour les pétroliers du Nord, je pense qu'ils ont fait ça en grand. Puis ils ont bien fini la soirée avec une victoire. Veux pas, c'est toujours le fun pour cette organisation-là. Tu fais un hommage à quelqu'un qui est un bâtisseur pour eux autres, puis tu finis avec la victoire à la fin de la soirée. Alors non, ça a été une soirée très, très, très le fun pour tout le monde. Puis un petit shout-out à deux amis du podcast qu'on a vus dans les joueurs présentés, là, Christian Sbroka et Louis Bédard qui étaient Les deux étaient là. Ouais. Non, c'était très plaisant. Moi, je vais juste continuer aussi dans une nouvelle. Là, rapidement aussi, juste dire, je pense pas qu'il nous écoute vraiment. Là. Je suis même pas sûr qu'il sait qu'on a un podcast, peut-être. Je pense que oui, mais je vais dire salut à un coéquipier qui est arrivé à un incident en fin de semaine qui était supposé jouer, André Thibault, qui depuis qu'il est arrivé avec nous autres, on l'apprécie beaucoup. C'est quelqu'un qui fait un job qu'on dit souvent ingrate,
C'est pas facile. Puis il est toujours là pour nous, il nous supporte. Puis il y a eu un accident d'auto dernièrement. Il se porte bien, j'y ai écrit hier. Il nous a écrit sur notre wall en nous disant que c'était pas une coupe d'outils puis de marteau sur une caboche, parce que je pense que dans l'auto, les outils ont volé, qu'il allait être mis à terre. Fait que s'il nous écoute ou s'il a la chance, anyway, il sait déjà, mais prends un rétablissement, puis on a hâte de le revoir là, très rapidement. Là. Yes, bon rétablissement. Ben, c'est ça. Si jamais il écoute, bon rétablissement, André. Yes, okay. Yes. Donc, pour mes nouvelles, c'est à peu près ça. Il y a eu, ben, je ne sais pas, on va peut-être en parler avec Eric, là, mais il y a aussi un hommage là, à Rivière-du-Loup. Il y a eu des chandails retirés. On va peut-être effleurer la question avec Eric. Oui, on fait 100 grands, ils retirent des chandails, ils gagnent 7-0. Ouais. Je pense que un blanchissage, ça. Trouver le truc. Les équipes vont peut-être commencer à retirer des chandails en série. Quel chandail j'avais retiré dimanche, vous autres? Nous autres, on a rien retiré. Pour gagner contre l'assurance. On n'a rien retiré. Non. On avait du monde dans le chaque. Une des rares. On a parlé tout à l'heure. Le dimanche après-midi. C'était quasiment 1006, là, 1500, quelque chose. Il y avait du monde dans le chaque. C'est quand même assez appréciant. Hein, tu sais, de pouvoir avoir nos partisans. Depuis qu'on est revenu de la pause, nous autres, personnellement, côté attendance, là, c'est vraiment, vraiment plaisant. Il y a beaucoup de monde qui reviennent dans le shack. Fait que, non, c'est une belle crowd contre Thetford. C'est un peu plus facile d'avoir une crowd aussi avec Thetford parce que Thetford n'est pas loin. Là. Mais non, ça a été super le fun en fin de semaine. Oui, surtout à l'approche des séries, c'est de bonne augure. Mm-hmm. Le but, c'est que plus les séries approchent, plus ça fait ça comme ça. Mm-hmm. Yeah, c'est le fun. Non, très fun. Yes. Est-ce qu'on est prêt à aller avec notre invité? Yes. Yep. Salut. Hey. Salut. Ça va? Salut, boys. Ça va? On a un invité de marque là, ce soir, entraîneur du 3L de Rivière-du-Loup et un expert TikTok, Eric Haley. Comment ça va? Ça va très bien. Avant de commencer, là, félicitations, les gars, pour votre podcast. Là, c'est très intéressant. Je suis fier de vous autres, puis je suis fier que vous parlez de la Ligue nord-américaine à chaque semaine. C'est toujours intéressant. Puis tous ensemble, là, on contribue là, au succès de la Ligue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'apprécie. Hey, merci de ton temps de venir aussi. Là. Oui. Entre deux parties de badminton et un TikTok, là, Rick est une petite apparition. J'adore ça. Exactement. Je ne dirais pas le pointage de ma fille et mon gendre nous ont battus, mais on essaie de se garder en forme. Hey, on va tout de suite y aller, puis ça va être fini, on va parler de hockey. Là. L'idée des TikTok pour le monde qui nous écoute, puis qu'il y en a beaucoup qui le savent, là, je pense. Là, mais est partie de où l'idée? Tu sais, je sais que c'était pendant le confinement, mais c'est parti de où? J'en ai un petit avant qu'Éric réponde. J'en ai pris un là, sur ta page, puis on va écouter ça, puis on revient tout de suite après. J'ai hâte de voir lequel t'as choisi. Yo solo sé que montaron. Cantina di ghetto, en la di ghetto. Archie in di ghetto, en la di ghetto. Cantina di ghetto, en la di ghetto. Archie in di ghetto. Le chapeau de Bob Burger. Aviez-vous le son? Ouais. 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 Moi, je ne l'avais pas. Okay. Écoute, en 2020, là, lors du premier confinement, il y a une de mes filles, là, on était vraiment confinés là, dans ce temps-là. Là, on n'allait pas travailler, on ne sortait pas. C'était vraiment une maladie qui semblait être très, très contagieuse et dévastatrice. Puis, je connaissais pas ça. Je connaissais TikTok un petit peu, mais on n'avait jamais été là. Puis il y a une de mes filles qui, pour le fun, a dit, hey, on fait une vidéo TikTok en famille. On était mes trois filles puis ma conjointe Cindy. Puis là, elle nous a montré, là, c'était un trend dans ce temps-là. Là. Puis, père, oui, t'es capable. Ben, voyons, puis en passant, je danse comme une roche. Là. Donc, tous les produits finaux que vous voyez, là, il a fallu que je pratique des demi-heures, puis des 45 minutes, des heures et plus là, pour le réussir.
Puis à partir de là, on l'a envoyé sur TikTok, puis Cindy, elle l'a envoyé aussi sur Facebook, parce qu'on a des amis plus proches, puis de la parenté, puis qui sont un petit peu plus vieux. Puis le monde a commencé à bien apprécier, puis à redemander. Puis au fil du temps, dans le premier confinement, on avait appelé ça la quarantaine, puis on avait fait 40. C'était 5 fois semaine, du lundi au vendredi. C'était intense. La famille, on se rencontrait. Puis la fin de semaine, on faisait des bloopers aussi. On envoyait ça. Là, c'était, les bloopers, c'était 100% Eric Haley qui n'était pas capable de danser. Là. on a eu bien du plaisir. Moi, j'ai eu du plaisir, même si c'était dur, même si. J'en ai profité là, pour tisser des liens très serrés avec mes filles, avec ma famille. Puis, c'était un petit concept familial. Puis, puis là, une fois de temps en temps encore, là, quand on a des temps libres, peut-être une fois par semaine, là, on va se réunir. Mais c'est dur de se réunir maintenant, les cinq en duo, des trios. Des fois, on est quatre. Moins souvent, ma plus vieille est moins souvent là. Mais qui sait, dans le futur, dans un futur proche, là, on va essayer de faire ça les 5 ensemble. Mais avec tout le temps maintenant, tu sais que tu en as fait pas mal, tu disais 40 et plus probablement là, maintenant. Maintenant, t'es-tu rendu plus à l'aise? T'as-tu encore besoin de 45 minutes, une heure faire une pratique ou là, ça va un petit peu mieux? Je trouve ça drôle, là, mais là, mes enfants me disent tu t'améliores. Ouais, mais tu t'améliores. C'est pas mon but de m'améliorer, mais je veux pas. Il y a des mouvements que je me rappelle que je l'ai tellement fait. Puis là, ah, c'est ça, c'est un mouvement-là. C'était le TikTok numéro 60. Puis celle-là, c'était tellement. Fait que ça devient un petit peu plus facile. Puis il faut dire, par contre, que dans le premier confinement, il y avait une trentaine de TikTok que ça a été vraiment qu'on a. Que c'était original. On décidait de la chanson. Ensuite, mes filles faisaient les mouvements, la chorégraphie. Tandis que là, maintenant, on prend vraiment des trends qui passent sur TikTok. On a le temps de voir, des étudier puis des refaire. Je voulais te le demander. Puis la question passe aussi dans le chat. Tes filles sont dans la danse, mais il y en a une qui a été aussi à l'émission Révolution. Oui, mes deux, ben, les trois ont été ont fait de la danse de compétition. Mes deux plus jeunes ont été à l'émission Révolution. Il y en a une qui a eu seulement un juge qui a voté, donc ils ont fait une apparition à l'émission, on l'a vu à la télé. Il y en a une autre, les trois ont embarqué, puis ils ont été jusqu'au duel. Donc, elle a fait un petit bout là, à Révolution, celle du milieu, Alexa. Donc, oui, c'est des filles. Là, puis, ils dansent encore. Là, présentement, sont en préparation pour les championnats canadiens pour aller aux championnats du monde. Si tout se passe bien, là, et j'en ai une, peut-être deux là, qui vont se ramasser là, en Arizona. Donc, on suit ça de près. Je leur souhaite. Justement, même pour les TikTok, la Ligue nord-américaine, maintenant, une page TikTok, peut-être pour faire une collaboration. C'est ça qui a écrit Maxime Villemer là, dans un TikTok avec l'équipe du Toile au centre de la glace. Ça serait quelque chose. Oui, Maxime Villemer, là, sa conjointe, elle a un TikTok là, qui marche pas mal. Puis il fait des belles apparitions. Fait que les gars trouvent ça drôle, on s'en parle là, avant les matchs, quand on se rencontre. Comme on dit, le père est encore capable, Eric, la danse, puis le TIF, troisième pointeur de la Ligue aussi, on dit tout le temps, le père est encore capable. Le TIF, ça, c'est un talent naturel. Un talent naturel, puis ça fait... Une couple de fois qu'on se pogne, puis il travaille fort encore, puis je suis bien fier de lui. Puis, merci, Eric. Content de ton voir dans la Ligue aussi, Eric. Ouais, c'est un bon ambassadeur. Puis moi aussi, c'est ça, c'est un retour. Là. J'ai été 2 ans, là, que, ben écoute, il y a 6 équipes dans l'équipe, puis il y a tellement des bons entraîneurs au Québec. Puis comme entraîneur, on le sait que c'est pas une job à vie. Puis moi,
Moi, j'ai été chanceux. Là. J'ai fait 12 ans collés là, avec quelques équipes dans la ligue. Puis, il est arrivé un incident ou un mauvais début de saison. Puis, mais j'ai continué quand même à coacher dans le 3. Ici, il y a une bonne équipe là, à 3V, c'est le Cap de la Madeleine. Puis, c'est juste à côté de chez nous. Puis, j'ai bien apprécié là, ces deux années-là. Puis là, c'est un retour cette année avec une année un petit peu plus difficile, mais on va essayer de causer la surprise. Ben, avant qu'on aille, tu rouvres la porte, là, Rick, puis je voulais en parler, puis c'était l'une de mes questions, puis tu en parlais, tu veux causer la surprise, puis vous avez quand même eu des hauts et des bas, vous avez connu des séquences à bien été, des séquences à moins bien été, mais on s'est dit dans ces cas, il y a une parité, tout le monde peut battre n'importe qui, là, soyons francs. En fin de semaine, vous l'avez prouvé, battu Jonquière 7-0, battu Jonquière en shootout après, un gros week-end de 4 points. L'arrivée de Sam Lévesque, t'sais, on en parle souvent dans cette ligue-là, puis ça fait assez longtemps que tu es dans la ligue, Rick, mais l'arrivée de Sam Lévesque, parle-moi-en du côté, qu'est-ce que ça a changé? Puis il y a eu Max Villemaire, on peut parler de Max Villemaire qui est arrivé en cours de saison, ça fait un petit bout qu'il est arrivé, mais qui est là aussi. T'sais, ces arrivées-là, ça a changé quoi dans l'atmosphère de l'équipe? Oui, puis justement, là, je vais juste repartir un petit peu là, du début de saison. On a vraiment une équipe qui était jeune, plus les ajouts justement de Max Villemaire qui arrive, qui est plus ou moins en forme parce qu'il n'a pas commencé la saison. Meilleur qui est arrivé, Marcotte qui est arrivé un petit peu plus tard, il s'est blessé. Gertin qui arrive, il y a des joueurs de plusieurs. Soit niveau, plusieurs équipes qui se sont greffées à l'équipe. Donc, on espère toujours que les patates cuisent un petit peu mieux que ça, plus vite en tout cas. Sauf que là, depuis justement Sam Lévesque, qui est arrivé là, dernièrement, là, je vous dirais dans les trois dernières fins de semaine, là, on joue bien, on se donne une chance de gagner à tous les matchs. Puis, cette valeur, là, dans les 6 derniers games, on est 3 victoires, 3 défaites, mais en analysant les statistiques, en analysant le vidéo, tu regardes les shots, tu regardes les chances de marquer, tu regardes les surnombres d'un bord ou de l'autre, les unités spéciales, on aurait pu finir là, à 5 victoires sur 6 là, dans nos 6 derniers matchs. Donc, depuis 3 fins de semaine, là, on joue mieux. Sam Lévesque, non seulement sur la glace, va donner 2 pouces puis 20 livres à tous les gars, mais dans la chambre, c'est une personne, pour les gens qui le connaissent, c'est un humain formidable. C'est un gars qui a un sourire, qui parle fort. C'est un leader naturel. Moi, je l'ai coaché là, à Jonquière là, en 2013-2014, puis à Jonquière, dans ce temps-là, on avait vraiment une équipe qui était excessivement tough. Donc, on avait dû le laisser partir parce qu'on avait été capable d'aller chercher quelque chose à Rivière-du-Loup. Mais Sam, définitivement, améliore notre équipe, là, que ce soit sur la glace et hors glace. Je vais poser la question. Si tu ne veux pas aller trop dans les détails, tu n'es pas obligé, mais il y a eu un peu un événement qui a valu une suspension vendredi. Mais penses-tu que, par exemple, si Sam Lévesque n'était pas suspendu vendredi, il y aurait peut-être des joueurs qui auraient été plus calmes du côté de Jonquière, justement, quand on parle de l'impact d'un Sam Lévesque dans le line-up? Ben, écoutez, là, on parle de mes amis Malouin et tous ceux qui ont passé au podcast, puis ils m'ont déjà fait un petit clin d'œil de mes TikTok une moment donné parce qu'ils avaient fait une remontée, puis ils se filmaient, ils faisaient la semblant de faire un TikTok, mais c'est mes fans numéro un. C'est mes fans numéro un, TikTok. Mais aussi, c'est des gars là, qu'on a gagné une coupe ensemble à Jonquière, puis on voyageait dans la même van. Puis vous savez, là, vous n'avez entendu parler des voyages de van. C'est incroyable tout ce qu'on vit, du temps qu'on passe ensemble. Donc, la situation qui s'est passée, en fait, c'est que justement, il était plus tranquille, parce que c'est des gars qui sont shitty, hein, c'est des gars qui sont capables de compléter leur mise en échec, c'est des gars qui parlent. Puis là, ben, il était un petit peu plus tranquille. Vendredi, Jonquière, c'était pas le match, puis il était plus soft. Puis ça a été Fabien, mon adjoint, mais ben,
il les a pas lâchés, tu sais, puis il parlait, il était vocal pas mal, puis même entre la 2 et la 3, il me dit, là, Rick, je suis vocal pas mal, mais j'ai l'impression là, qu'on va les avoir, puis ben, il dit, il n'y a pas de problème, reste légal dans tes propos, reste dans la game de hockey, puis tu as le droit aussi d'être shitty, on la connaît à la game, puis là, ben quand ils se sont approchés un petit peu trop proches du banc, Je voulais pas qu'il se passe de quoi de majeur. Par les connaissances, c'est pour ça que je me suis impliqué. Puis en lui disant, là, les boys, on va tout être dans la merde. Puis là, la game, c'était 6-0, c'est fini. Puis, mais il y a eu des coups de bâton qui se sont donnés. Puis moi, en m'imposant, bien, c'est sûr que je touche à des joueurs adverses. C'est sûr que la Ligue ne pouvait pas laisser passer ça. Puis on a pogné des deux matchs, puis des un match. Mais, tu sais, quand ta couleur, c'est bleu, puis l'adversaire, sa couleur est verte, peu importe le nom, peu importe l'amitié que tu peux avoir, pendant 60 minutes, ta job, c'est de battre l'adversaire, puis peu importe ce qui peut arriver, c'est du côté de Jonquière, du côté de Dugo, ça a été la même chose. Ouais, puis, juste peut-être rassurer un peu là-dessus, juste un, ben, pas renchérir, mais je sais pas, peut-être un petit... une petite anecdote d'une vieille séquence là, que ça m'a fait rappeler. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, là, dans une série, je pense que c'était en 2014, en demi-finale contre Sorel, il y avait une bataille générale à Sorel. C'était pas la première fois que tu t'en prenais un peu avec un gars, parce que je l'ai regardé, parce que je m'en étais rappelé. Tu avais une petite altercation avec Guillaume Coudé. Puis, dans le fond, je ne sais pas si tu t'en rappelles, tu m'en parlais. Puis, je trouve ça drôle aussi parce que c'était justement Sam Lévesque qui était venu premier à ta rescousse dans le temps à Jonquière. Fait que ça m'a fait penser à ça. Ah, j'ai déjà eu la barbe un petit peu plus foncée. Ben, puis, d'après moi, ça doit être parce que j'aime tellement la game. Puis, je veux me rapprocher de la surface glacée des fois. Mais, c'est des choses qui arrivent. Puis, écoute, là, on parle de 2013-2014. Plus que les années avancent, moins on voit peut-être des choses un petit peu plus disgracieuses. Mais je pense que ça fait partie de l'ADN de la Ligue nord-américaine. Mm-hmm. Puis, je pense que cette année, comparativement aux deux dernières années où que la Ligue, je pense qu'on a un petit peu plus de combats. Il y a peut-être plus de... Le talent est là, puis ça va continuer à augmenter. Ben, je pense que des altercations, puis un gars dans la merde, cinq dans la merde, ça doit exister encore en 2022. Puis c'est des choses là c'est des choses que la Ligue nord-américaine doit garder, mais en respectant quand même l'évolution là, du hockey. J'ai mis un petit message là, en passant d'Annick Malouin qui te faisait dire salut, Eric. Salut, Dan. Salut, mon chum Dan, le gros melon. Je vais renchérir sur ça. Puis, tu sais, c'est pas une question à Rick, mais je vais renchérir. J'ai eu la chance d'avoir Rick à Saint-Georges. Puis, je sais comment qui. Puis, pour un peu renchérir, comme Dave disait, c'est que tu es un passionné, Rick. C'est une des raisons pourquoi tu le fais. Puis, tu sais, je me souviens qu'on était ensemble, t'es un gars qui est passionné, t'es passionné par la game, t'aimes ça. Puis, tu sais, ça fait partie de notre ADN aussi, là. Tu sais, faut être des passionnés dans cette ligue-là, ou sinon, tu sais, je veux dire, au bout de la ligne, là, on jouerait pas cette game-là, sinon, là, tu sais. Puis, pour ça, je voulais te donner un compliment en même temps, Rick, tu sais, j'ai eu la chance, pas assez longtemps, j'aurais aimé ça que ce soit plus long, mais pour de vrai, t'es un passionné, puis c'est ça qui fait que t'es de retour dans la ligue aussi, là. Puis, ouais, je voulais juste te donner un petit compliment, mon Rick. Merci. Pour renchérir, là, on parlait un petit peu de toughness, mais les gars là, se tirent en avant des shots. Là, et, veux dire, c'est des shots de Ligue nationale. Là. Les gars mangent des mises en échec. Les gars, même pour partir à deux contre un, vont bloquer une shot, vont esquiver des mises en échec. Puis là, ils ont travaillé toute la semaine. Là. On arrive le vendredi, là, puis on arrive game plan, c'est préparation, warm-up, puis quand ça part, là, ça part, puis sois prêt, parce que c'est 2-0, ça sera pas long, là. Parce qu'il y a une équipe qui s'est préparée, puis l'autre est un petit peu moins, puis c'est... Fait que, oui, je lève mon chapeau à ces gars-là puis c'est la raison pour laquelle j'ai cette passion-là, c'est parce que je suis un passionné,
suis dur dans le sens que c'est important pour moi que les joueurs se respectent et respectent un plan qu'on établit tous ensemble. Mais en arrière de ma cravate, là, je les vois, ces gars-là, travailler fort, puis ils ont tout mon respect. Je vais poser une question, un peu revenir en arrière en même temps, parce que tu parlais, tu es retourné avec la climatisation dans le Seigneur 3, et puis là, tu as fait ton retour. Est-ce qu'il y a un moment donné que tu t'es dit, ouais, je vais finir ici, c'est chez nous, Trois-Rivières, après ça, moi, le semi-pro, ça me tente pas, ou tu avais hâte d'avoir cette chance-là de revenir, puis tu l'attendais? Écoutez, je l'attendais pas. Je l'attendais pas. Mais je faisais ce que... Tu sais, j'étais chez nous. Puis le 3, c'est aussi c'est une ligue. Là, si la Nord-Américaine augmente en talent, la même chose plus bas, le Senior 3, là, c'est une ligue là, qui s'en vient très bien. Puis qu'il y a des bons joueurs, des gars de junior majeur, junior 3, des gars universitaires. Peut-être un petit peu plus... mettons, la toughness... Je parle de nombre de combats, peut-être de voilà une couple d'années de la Ligue nord-américaine, sans être les combattants. Tu sais, dans la Ligue nord-américaine, ils sont plus gros, patinent mieux, ils ont joué un petit peu au hockey, mais ils ont tout mon respect là, que ce soit dans le 3A. Maintenant, j'étais au Cap de la Madeleine, j'étais bien, j'étais en haut de la côte chez nous. Sauf que j'espérais. J'attendais pas l'appel, puis justement, je ne l'attendais pas. Puis Carl Boucher, une année, je m'en allais en famille au chalet, puis j'ai reçu un appel en me demandant tout simplement si j'étais encore intéressé ou si j'étais bien là, chez nous dans le 3A. Puis, j'ai regardé ma femme, mes enfants étaient là, je dis, savez-vous quoi? J'ai une opportunité à aller à Rivière-du-Loup, puis ça me tente, tu sais. J'étais encore assez jeune, j'ai 48 ans. Puis ça me tente. Puis à partir de là, la porte s'est ouverte. Puis je suis bien content d'avoir fait ce choix-là parce que l'organisation Rivière-du-Loup travaille fort aussi. Puis c'est pas évident. C'est une région éloignée. Puis c'est dur d'attirer les gars là-bas. Mais eux autres aussi, là, ce sont plusieurs propriétaires. Ils sont tissés serrés. Puis on est bien traités. Donc c'est un choix là que j'ai fait sans hésiter. Il y a une question dans le chat de François Paradis qui demande est-ce que Marcotte va être prêt pour le début des séries? Est-ce que tu as un update sur sa condition? Oui, Marcotte, il a commencé à s'entraîner hors glace. Il a embarqué sa glace jeudi. On est en pourparlers pour vendredi ou samedi. Donc, il devrait être dans le line-up. Là, puis encore une fois, là, j'aimerais peut-être qu'il fasse le warm-up vendredi à Saint-Georges, voir comment est-ce qu'il va. Puis encore une fois, on a une pratique samedi midi, puis embarquer warm-up, puis la game de samedi, là, le match en rose. Mm-hmm. Tu sais, Rick, les séries s'en viennent, il reste deux games. On va en parler de toute façon après l'entrevue avec toi, les possibilités de séries, mais le match-up qui est déjà canné est Rivière-du-Loup, Thetford Mines. Ça, c'est déjà canné. C'est pour vous autres, tu sais, d'habitude en fin de saison, tu t'en vas, d'habitude, ça fait longtemps que tu es dans la ligue. Des fois, tu reposes des gars. Il y a des gars, exemple, qui ont manqué de la job pendant l'année. Fait que là, ils disent, hey, on est sûr de finir sixième. Peux-tu rester, travailler après avoir venir? Pour vous autres, l'organisation, Rick, les deux games de la fin de semaine, puis là, je ne parle pas en tant que Cool FM, je parle en tant que quelqu'un qui fait un podcast qui pose la question. Est-ce que ces games-là, pour vous autres, sont vraiment importants du côté, on veut rentrer en série, on s'en va affronter Thetford Mines, qui est une grosse machine de hockey. Nous autres, ici, on est capable de les battre, mais il faut être prête, ou tu l'approches de la fin de semaine en disant, si j'ai à donner des breaks, je vais donner des breaks, puis on verra la semaine prochaine. Oui. Bien, de notre côté, là, toute la saison, on a eu des blessures. On a eu des gars qui justement, il a fallu qu'ils manquent à cause de leur job. Il y en a qui sont dans le coaching. Il y en a qui c'était des causes familiales. Nous, on doit se préparer. Là. On joue mieux depuis trois semaines. Puis, en fin de semaine, il va y avoir des congés obligatoires. Donc, ceux qui ne seront pas là, c'est parce qu'ils ne peuvent pas être là. Encore, il y en a qui soignent des blessures. Puis c'est sûr que si tu as la chance de,
d'embarquer prématurément un joueur, tu vas lui dire on va attendre une semaine de plus. Là. Mais nous, on est en préparation. C'est une équipe que je respecte beaucoup. Tuffermine, depuis des années, gagne ou se rend en finale ou au fond. Finissent en tête là, du classement. Puis la façon depuis trois semaines on joue, c'est en préparation pour Tuffermine. Puis en fin de semaine, il va falloir se présenter puis encore une fois jouer le match là, vraiment plus serré là, quand on n'a pas la rondelle. Puis ce que j'aime là-dedans, c'est qu'on a réussi à accorder beaucoup moins de buts, beaucoup moins de chances. Puis l'offensive a quand même débloqué. Fait que ce que ça fait, c'est que ça donne de la confiance aussi aux joueurs plus offensifs de dire on va, quand on n'aura pas le puck, là, on va se concentrer à bien protéger parce qu'il y a des façons de récupérer puis de contre-attaquer. Puis là, en fait, l'année passée, là, on a marqué 7 puis 5 goals. Là. Fait que, et défensivement et offensivement, ça nous a donné de la confiance. Il faut jouer comme ça en fin de semaine contre Saint-Jean. Tu parles d'offensive qui a débloqué. Peux-tu nous parler un peu d'un des nouveaux joueurs que vous êtes allé chercher qui m'a bien impressionné là, quand je l'ai vu jouer? Nathan Ouellet, qui a 5 passes en 6 matchs, qui est un jeune de seulement 21 ans, débarque dans la Ligue nord-américaine, vient se greffer à votre groupe, fait un très bel job sur quand il est employé avec le troisième trio. Je pense qu'il a même aidé à faire débloquer aussi offensivement le troisième trio avec Chabot et Chevrier. Là. Chevrier aussi qui s'améliore beaucoup cette année. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de cet ajout-là oui, que vous avez c'est, eu? C'est une très belle surprise. C'est un gars local. Là. C'est un gars de Rivière-du-Loup en plus. Lui et Ward ont une équipe d'hockey mineur. Donc ils sont entraîneurs. Puis ils peuvent manquer quelques matchs, mais à toutes les fois qu'il est disponible, on le rentre dans le line-up, il y a de la fougue, il y a un bon speed, un ailier droite. Tu veux toujours avoir quelques ailiers droits dans ton équipe. Puis il est en apprentissage, il apprend à voir la ligue. Puis même que quand il est arrivé, là, il y avait beaucoup de fougue, il était excité. Puis là, il s'est aperçu que c'était quand même tough, puis qu'il y avait des joueurs, puis il avait un petit peu ralenti. Je l'ai rencontré, puis j'ai dit, toi, t'es légal, tu es un jeune, tu vas te faire parler, c'est sûr, parce que là, il connaît pas tous les joueurs, puis une fois de temps en temps, les vétérans, c'est sûr qu'ils vont aller te voir, puis ils vont dire, hey, slack le jeune, ta job à toi, là, c'est continue, c'est beau à voir aller. Puis quand ils disent « slack le jeune » au bout de la ligne, quand ils arrivent dans la vanne ou après la game, ils commencent à parler de toi, c'est bon signe. Fait que t'es dans la bonne traîne. Puis là, il est revenu là, dans ses bonnes habitudes. Il faut compléter ses mises en échec, prendre des shots au net, puis il a du succès offensivement aussi. Puis je vais renchérir sur celle-là parce qu'il en a parlé, puis c'était une des questions que je vais te poser. C'est un petit jeune que j'ai connu ici, il vient de mon coin. Puis c'est un gars qui est arrivé dans la ligue, il a tranquillement fait sa place, puis sérieusement, je pense qu'il vous rend de fiers services, c'est le jeune Chevrier. Il est capable de scorer des goals quand c'est le temps. Il est capable d'amener la game robustesse. Il n'a pas froid aux yeux. Il se met le nez, si je peux utiliser le mot, il se met le nez dans la marbre. Il n'a pas peur de ça. C'est un petit gars qui gagne en confiance, je pense, de game en game, année en année. Puis, c'était une question. David en a glissé un mot rapidement, mais j'aimerais ça que tu me parles du jeune Chevrier, comment il va. Là. Oui, ça aussi. Un gaucher, un ailier, je peux l'employer là, à gauche, à droite. Il peut dépanner au centre. C'est un gars qui excelle en désavantage numérique. Si vous verriez là, tout son bas de corps, là, il est rempli de bleu. Puis pour lui, c'est comme un tatou. Il est fier de le montrer. Là. Regardez là, il est enflé là. Puis là, c'est noir. Puis là, c'est bleu marin. Là, les gars, ils en viennent. Mais je vous le dis, c'est deux, trois shots. Des one-timers bloqués à tous les games, la cheville. Puis ça, dans une équipe, là, ça te prend des gars comme ça. Parce que là, les gars sont sur le banc, puis un autre, puis ils se lèvent. Tu scores un beau but, là, les gars se lèvent. Tu bloques une shot comme qu'il fait, les gars se lèvent autant. C'est ça, c'est la beauté du hockey, c'est la beauté de notre ligue. Il y a un bon coup de patin, complète ses mises en échec. Moi, je ne le connaissais pas. Je n'avais entendu parler qu'il était borderline tout le temps d'être scratch, de jouer 5 à 4, 3.
cette année, là, avec les blessures, même il était dépanné là, sur le top 6. Il a bien fait. Et, j'ai pu l'employer un petit peu en avantage numérique. Puis il fait bien. Fait que, il est aimé des gars dans la chambre. C'est une bonne personne. Donc, je suis bien content, bien fier pour lui. Mm-hmm. Tu parlais tantôt, Eric, là, de la défensive. L'attaque a produit, la défensive aussi a accordé moins de buts. François Paradis, là, dans le chat, en parle. L'arrivée de Beaulac, le retour de Meilleur qui ont aidé la défensive. Est-ce que tu peux nous en parler, peut-être? Seb, je pense que tu as posé la question, il va falloir que tu la reposes. Là. Il va sûrement revenir, là, il doit geler. Il commençait à geler, anyway, la caméra. Ouais, elle... ouais, c'est peut-être les batteries cellulaires. Ouais. Là, ouais, ça ressemble à ça un petit peu. Je pense qu'on a notre réponse pour le son aussi. Ouais. Ouais, parce que c'est ça qui claque. Il pensait que le monde, il disait Seb, il écrit vite comme une secrétaire. T'étais vite, Seb. Moi aussi, pendant un instant, je pensais que c'était toi. Non, parce qu'entre-temps, je vous écrivais sur mon cell, justement, parce que chacun notre tour, on a fermé notre son, Tiff a mis ses écouteurs, puis je pense qu'on savait, je pense que c'était Eric, là. Eric va sûrement revenir, anyway. Peut-être du métal qui touchait le cellulaire ou qui était pas loin ou quelque chose de loin. Ah, il revient. Ah, il revient. La caméra revient tranquillement. Oups, elle est à l'envers. Je vais juste te placer. OK, c'est bon. Le retour. Yes, sir. Oh, il y a Raymond du. Ouais. Raymond Lavoie. Il y a un commentaire qui dit que Chevrier, c'est un nouveau résident de Rivière-du-Loup. Donc, il a déménagé là-bas en plus. Donc, c'est vraiment hot pour eux autres d'avoir un... Je pense qu'il y a une copine dans le coin, je pense. Mais tu sais, c'est un jeune joueur, Chevrier. Tu sais, on dit tout le temps, Rivière-du-Loup, c'est plus dur d'avoir des joueurs locaux là-bas, parce que c'est un peu plus éloigné. Mais c'est d'avoir un bon jeune joueur émergent comme ça, qui est capable d'être intense, qui connaît un peu, qui fit bien avec, si on veut, l'ADN de la Ligue. Non, mais c'est le fun. C'est sûr que je posais la question, parce que c'est un gars que, quand je jouais professionnel, je m'entraînais à Candiac, puis il était là, lui, il jouait junior, puis un bon petit kid, il était tellement fin, il posait des questions, tu sais, que veux, veux pas, j'ai pas souvent la même affaire, t'es junior, il y a des gars du pro, tu poses des questions, super fin, puis quand il rentrait dans la ligue, tu voyais que, comme un peu Eric a dit, tu sais, c'était in and out, il était pas sûr, mais tu voyais qu'il avait du talent, tu voyais qu'il pouvait amener quelque chose, tu sais, il a quand même joué du haut calibre, il a joué junior, tu sais, c'est un très bon joueur de hockey, puis t'sais, il n'a jamais lâché, puis tu sais, sérieusement, à toutes les games, je l'ai joué, il joue très bien. Il a scoré un gros goal la dernière game qu'on est allé à Rivière-du-Loup, le premier goal de la game, un shot en rentrant sur un 2 contre 1, 5-0. C'est un gars qui, comme je dis, à toutes les games, j'ai l'impression qu'il saisit sa chance, puis il veut monter, puis il veut monter, puis il a raison, Eric, là, je le vois pas tous les soirs, mais il est d'en face là, des Malouins, il a pas peur de personne, il va y aller, il fait sa place, fait que, ça en prend des gars de même aussi, là. Il y a même un gars qui a comme il a joué Espoir, il a joué une année après ça, Junior 3. Bécomo. Il a monté à Bécomo après ça. Il a eu des bonnes saisons. Je pense que à chaque niveau, là, c'est le style de joueur qu'il a fallu qu'il fasse sa place et qu'il en a donné. Là. Puis comme Eric disait, je pense qu'il était comme sur le bord, toujours borderline avant ça. Je pense qu'avec Rivière-du-Loup, il avait bien fait sa place. Puis Eric était revenu, mais là, il est reparti. Là. Fait que on peut faire des nouvelles en attendant. Puis si Eric vient, on peut parler de. Puis si Eric revient, on continuera l'entrevue, puis on coupera, puis on reviendra nous autres sur les actualités, les games, puis le week-end en attendant. Ben, Eric en a parlé, là, si vous avez de l'information là-dessus, mais il y a un match en rose la semaine prochaine. Samedi? Oui, samedi. Ouais, samedi. Vendredi, on joue contre Rivière-du-Loup à Saint-Georges et samedi à Rivière-du-Loup, la game en rose. Alors, donc, c'est pour une cause, probablement pour le cancer. Cancer. Ouais.
Fondation du cancer du sein, dans le fond, c'est officiellement le dernier match de la saison, puisqu'il y a deux matchs samedi, les deux derniers matchs. Il y en a un à 19h, celui-là est à 19h30, fait que c'est officiellement le dernier match de la saison. Ça aussi, ça a été déplacé, là, c'était supposé être plus tôt dans l'année. Ça a été déplacé là, à cause du COVID, évidemment. Mais ça fait plusieurs années que les 3L font ça. Là. C'est toujours une belle occasion. C'est toujours fun aussi de les voir jouer avec le chandail en rose. C'est quand même un beau chandail. J'ai hâte de voir cette année, puisque ça va être un nouveau chandail en rose, fort probablement, parce qu'habituellement, ouais. c'était l'ancien logo, tout ça. Fait que là, ça devrait être un nouveau concept, un nouveau chandail cette année. Puis personnellement, comme Eric il disait, je pense avec la meilleure qui joue dernièrement, gagner une grosse game à la maison 7-0 contre Jonquière. Mm-hmm. À leur dernière game à la maison, ils sont allés battre Jonquière sur la route. Fait que tu sais, revenir à la dernière game de la saison, match en rouge, je m'attends à beaucoup de monde dans le building à Rivière-du-Loup. Là, tu sais, veux pas, tu te prépares à aller affronter Thetford Mine en série. Tu sais, c'est sûr et certain, si on parlera aux joueurs, on parlera à Eric qui serait ici, tu sais, l'apport du septième joueur qui est la crowd par Rivière-du-Loup, tu sais, Dave pourra en parler, mais tu sais, l'année qu'ils ont gagné en série contre Sorel, l'aréna était, tu sais, les gars m'en parlent, j'ai eu la chance de parler avec Marco Damour, Archambault, ils sont arrivés à l'aréna avant la game, puis l'aréna était déjà pleine, tu sais, il y avait même pas comment, il était 2 heures avant la game, puis l'aréna était jam-pack, il y avait même pas encore, les gars, ils se préparaient, là, ils s'en allaient jouer au ballon en haut, il y avait déjà du monde, l'aréna était jam-pack, fait que tu sais, c'est une ambiance le fun quand le monde remplit cet amphithéâtre-là, le centre premier tech, si je ne me trompe pas. Ouais, centre premier tech. Fait que, tu sais, c'est un amphithéâtre qui est le fun. Fait que, tu sais, c'est pour ça, ça peut les aider aussi à finir l'année d'un bon pied pour eux autres, puis s'en aller la semaine prochaine affronter l'assurantia. Fait que, tu sais, pour eux autres, avec cette fin de semaine-là, ça peut être quelque chose de plaisant. Puis, comme je vous dis, l'initiative, ça, on a vu Jean-Mi qui l'a écrit, là, c'est une belle initiative de la part des 3L à chaque année de faire ce match-là, excusez, en rose. Oui, super belle initiative. Puis, tu sais, tu disais, là, les fans en radio, on ne se cachera pas. Rivière-du-Loup, c'est un amphithéâtre qui est probablement le plus gros de la ligue présentement en termes de capacité. Fait que c'est sûr que des fois, 1 000 personnes à Rivière-du-Loup, ça va paraître plus vide qu'ailleurs. Mm-hmm. 3 000-4 000 personnes, c'est intimidant, par exemple, là, quand ils réussissent à le remplir. Là, c'est le fun de voir ça. Yes. Je pense qu'Éric est revenu. Éric est revenu. Hey! Oh! T'es dans le retour. Manger de. Dans le char! Écoutez, je sais pas, peut-être le réseau, je vous entendais gricher de demander que je vous ai perdu, fait que j'ai dit, il faut finir cette entrevue-là ensemble. Hey, c'est drôle, il y a quelqu'un qui a écrit connaissant, je sais pas qui a écrit ça, mais il y a quelqu'un qui a écrit connaissant Rick en ce moment, il doit être sous la panique que ça fonctionne pas. Richard Ouellet, il a dit, c'est sûr qu'il est sans panique. Fait que tu allais te brancher dans le lighter de l'auto, là, ou... R2-D2 de retour. Ouais, c'est ça. La griche. Voilà. OK, on... bouge plus, là, Rick. T'entends pas? Ouais, là, on t'entend. Bouge plus. Ouais, ça jouait un peu... Un petit peu, on va faire. Hein? Par le char, par les flashers, puis les wipers, puis un peu d'eau dans le wiper aussi. Ouais. Là, c'est correct. Hein. On va l'avoir. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, parfait, bouge plus. On t'avait. Là, tu nous entends-tu, Rick? Moi, je vous entends. Tu nous entends-tu bien, Rick? Parfait. On va espérer que ça marche. Là. J'entends pas fort, mais. Entendez-vous? Ouais, ça va être. Ça gèle encore, Eric. Ça devrait fonctionner mieux, là. Ouais, c'est... Non, c'est ça, ça ne marche pas encore. Non.
Je sais pas si tu nous entends. Ça devrait fonctionner mais... mieux, là. Ouais, on t'entend, mais c'est gelé, ton image. Ouais, c'est ton image qui est gelée, Eric. Ça devrait fonctionner mieux, là. Alors quoi? Oh, ouais. Ça devrait fonctionner mieux. Bon, on va sortir Eric. Hey, celle-là, c'était une des bonnes, j'ai entendu. Hey, je ne comprends pas pourquoi ça a fait ça, mais c'est drôle en parlant. Ça devrait fonctionner mieux, là. Non, fait que, on va enchaîner avec les nouvelles. Comme je te dis, si Rick est capable de se reconnecter, sinon... On va le prendre. Rick. Ouais, ben, ça, je l'ai... On va rire dans le warm-up vendredi. Je peux te le dire, je vais rire celle-là dans le warm-up vendredi. Ouais, juste de même, là, je sais qu'on parle avec Ligue américaine, mais Cole Caulfield vient d'enfiler 2 buts en 8 secondes. Oh! Ouais. Fait que. On est parti. Peut-être faire une mention là, pour Rivière-du-Loup aussi la semaine dernière. Là, il y avait les retraites chandail. Là, Pierre Francœur, Paul-Yvan Bélanger. Donc, les retraites chandail. Qui ont si une cérémonie aussi. Denis, tu sais, je ne vais pas manquer de respect à personne. Je veux juste savoir si Denis est là. Qui nous écoute, je sais, il est avec son vin du Portugal. S'il peut nous dire, parce qu'on voulait demander à Eric, c'est qui ces deux personnes-là, pour rapidement, si tu peux l'écrire, Denis, pour mon bien à moi aussi, puis je pense que Dave et Seb non plus ne savaient pas c'est qui, mais juste pour savoir un peu pour le monde qui nous écoute, c'est qui exactement, ça doit être des joueurs qui ont joué pour les Trois dans des années. Juste savoir exactement c'est qui, s'il y a quelqu'un qui peut l'écrire, là, savoir... On parle-tu de la fin de semaine qui vient de passer ou... Ouais, je pense qu'on va enchaîner. Si jamais il revient, ben, on va le voir. Yes. Good. Donc, on pourrait peut-être aller au match là, de vendredi. L'Assurantia a gagné 6-3 contre les Éperviers. Ouais, c'était... C'est un match qui c'est plate comment ça a fini, parce que pour vrai, les 10 premières minutes de jeu, là, je pense que à Sorel, c'était électrique. J'avais rarement vu un début de match de même, là, c'était tellement hot. Sorel marque 3 buts back-à-back en partant, dont le premier à 13 secondes du début, là, un super beau but de Paquin Boudreau. Puis là, 3L, ben, un petit peu de pénalité là, du côté de Thetford Mines. Là, ils ont pogné un bâton élevé de 4 minutes, puis un 5 contre 3. Donc, Sorel qui renchirait avec 2 buts, c'est 3-0. Après ça, ben, il y a eu le combat Lacroix-Bellemare. Après ça, il y a eu la mise en échec de Gabriel Lemieux sur Julien Ball. Là, disons, une mise en échec pas légale là, pour garder ça comme ça. Antoine Wickett va défendre son joueur. Ça fait un autre combat. Ça brasse, il y a de l'action. C'était vraiment sa coche. Puis après ça, ben, ça s'est un peu écroulé, disons, pour les Éperviers. Thetford, ils ont comme commencé tranquillement à reprendre l'avance. Puis en fin de première période, c'était 3-1. Je pense que ce qui a vraiment fait mal, là, les Éperviers ont comme un peu dormi ça à switch. Ils ont laissé Yann Joseph derrière le filet. Il reste à peu près 30 secondes à la période. Yann Joseph derrière le filet, personne n'y met de pression. Il est resté, je pense, 5 secondes à comme juste attendre que ça se passe. Puis t'as Dave Labrecque. Belle passe en passant qui a fait. Ouais. Labrecque qui arrivait du banc. Ouais, Dave Labrecque, il est littéralement parti du banc, là, straight, en ligne droite, là, en diagonale, traversé la zone. Puis Joseph, il a fait ça, sa palette. Ça a fait un but à 30 secondes. Je pense que là, ça a tombé 3-2. Puis c'est là, ça a fait mal parce que, tu sais, à 3-0, c'est une belle avance, tout va bien. Mais là, tu sais, pas long après, la game, il y a juste une période de jouer. Puis tu te fais déjà manger 2 buts. Là, ben, en deuxième période, ben, ils ont égalé. Puis Thetford a vraiment dominé là, la deuxième période. Puis en troisième période, les Éperviers ont essayé de revenir un peu tant bien que mal. Là, mais Thetford sont très forts, on ne se le cachera pas. Mm-hmm. Puis ils ont réussi à garder l'avance. Là.
Donc, c'était un super début de match, mais ça s'est gâché un peu le reste du match pour les gens présents au Colisée Cardin. Fait que Ted Ferguson sorti de là avec une belle victoire là, de 6-3 pour confirmer en même temps. C'est sûr que c'était un peu déjà écrit dans le ciel, là, mais ça a officiellement confirmé là, le fait que Ted Ferguson ont gagné le championnat de la saison régulière. Une question pour toi dans le chat, Dave. Carrier, il arrive quoi avec Carrier que Martin Délan écrit? Ouais, ben Carrier, dans le fond, les éperviers sont allés, sont rendus avec beaucoup de profondeur à la défensive. Là. Baudouin qui est arrivé, Pema qui est arrivé pendant la saison, Rio qui joue un peu en spare. Donc, tu sais, Carrier est encore dans l'équipe, il va être disponible pour les séries, c'est sûr. Mais je pense que c'est un peu. Sans des chaînes là, qui fait un peu de la place pour les nouveaux défenseurs. Fait que ça reste à voir d'ici la fin de la saison pour Carrier. Éric est revenu dans la salle d'attente. Ça a l'air de bien aller. Là. Fait qu'on va rentrer. On pourra peut-être parler là, en même temps du match le vendredi des 3L qui ont gagné 7-0 contre le Marquis. On va commencer par rentrer. T'es correct, Rick. Bouge on plus. Là. Je bouge plus. Ça devrait aller mieux. Ça devrait être correct. Good, ça marche-tu? Oui, ça fonctionne. Parfait. OK. Bon, parfait. Ben, Seb, repose la question avant. Bon. Que... Ouais. Donc, on était rendu, là, on parlait un peu là, des matchs qui ont eu lieu vendredi. On voulait que tu nous parles là, de cette victoire-là de 7-0 contre le Marquis. Ouais, écoutez, comme je disais, là, ça fait plus de 3 semaines là, qu'on joue mieux. Puis ça a juste débloqué. Là, dans le fond, on a limité vraiment l'adversaire à peu de chances de marquer. Puis nous, on a su profiter là, notre offensive. On a quand même des bons joueurs offensifs qui sont capables d'être créatifs. Puis je pense que. En même temps, je pense que Jonquière, là, il jouera pas le meilleur match là, de la saison. Puis, tu sais, ça arrive. Là, un moment donné, là, tu joues sa route. Là, et c'est la rivière du loup. Puis, nous autres, on a su en profiter. Puis, dans ce temps-là, nous, on a tellement une saison là, qui n'est pas facile là, que je pouvais pas peser ses breaks. Puis, il y avait des power play. Puis, notre power play, mais, on n'est pas toujours en confiance. Fait que, souvent, quand le match vient un petit peu plus élevé, ben, tu vas essayer ton deuxième, tu vas refaire un troisième power play, mais j'ai été obligé quand même de garder. Là, puis c'est pas qu'on a scoré beaucoup de goals en avantage numérique. Puis c'était pas un manque de respect, c'est plus que nous autres, là, on essaie de tout faire là, pour être prêt pour les playoffs. Donc, c'est un bon match qui a bien été. C'est quoi, tu penses, qui a fait la différence dans ce match-là? Y a-t-il un game changer, quelque chose? Non, c'est... Puis comme je dis, il y a plusieurs matchs où je pense qu'on aurait dû sauver là, peut-être avec un point ou deux là, dans les 3 dernières semaines. Écoute, on a vraiment bien starté la période. On a pris les devants 2-0, puis... trop souvent dans la saison, là, on a soit qu'on startait mal, on startait bien, on n'était pas capable de coller 2 puis 3 bonnes périodes collées. Puis, c'est, dans le fond, ça a été de revenir là, sur les consignes, puis les gars commençaient à y croire, puis on n'a pas fait de quoi de différent. On a plutôt continué ce qu'on faisait de bien, puis ça a porté fruit. OK. Puis le lendemain, tu t'en vas à Jonquière, qui était la première. On a tous vu la photo à Fab avec sa première victoire comme coach de la Ligue nord-américaine. Puis, tu as eu l'apport aussi d'un gars qui fait une job, qui l'a fait avec. J'ai joué avec pendant des années à Saint-Georges, qui fait une job à tous les soirs, qui se présente, va au combat, fait ses choses pour le club, un bon teammate, puis il score 2 goals dans cette game-là, Hubert Poulin. On va se le dire, le premier était toute une shot, là, une shot top corner en rentrant à la ligne bleue qui n'était pas piqué des verres.
Mais tu as trouvé une manière de gagner samedi. T'sais, l'équipe était down 0-2, un 2-2, c'est jamais facile. Vous êtes revenu de l'arrière. Comment tu as vu ce match-là? Tu l'as sûrement vu d'en haut, là. Tu devais être sur la passerelle. Comment tu as vu ce match-là? Ah oui. Puis comme j'ai dit au gars, là, je dis la mauvaise nouvelle pour vous, la bonne nouvelle pour moi, c'est que là, je vous regarde. Là, je vais voir la game comme je la vois à TV. On n'a pas. Puis j'avais averti là, que Jonquière, là, la veille, c'était pas le meilleur match de la saison qui avait emmené la Rivière-du-Loup, puis que c'était pas le même match qui était. Puis eux autres, je sais qu'ils sont d'une bataille là, même pour aller chercher une troisième position, avoir l'avantage de la glace. C'est sûr et certain qu'ils étaient pour sortir fort. Ils ont sorti fort. Nous, on a sorti un petit peu plus flat. Nos wingers ont eu de la difficulté à sortir la puck de notre zone. Puis on n'a pas joué simple. En entrée de zone, on a donné des turnovers. Ce que j'ai aimé, c'est que là, on s'est parlé dans le blanc des yeux. Puis on a vraiment mis le point sur des choses qu'on faisait il y a 3 semaines. Puis on est revenu tête en deuxième, en troisième. Puis là, je suis content pour lui parce que pour moi, c'est une job qui est ingrate. Puis je pense que c'est un dans la meute de d'hommes forts de la ligue, je pense que. Parce que. On l'a perdu. Ouais. Là, je pense que là, d'après moi, strike out, là. Ouais. Ok, c'est ça qui est ça. J'ai pu parler des deux matchs un peu au moins. Ouais. Il est revenu, mais je ne sais pas si. Parce que sinon, on va être ici jusqu'à 11h à soir. Là. Moi, on a toute une journée de travail demain. Là. Ouais, c'est ça. Regardez. On essaie une dernière shot, là, Eric. Ouais. Regardez bien, on va faire ça rapidement. Donc, est-ce que vous m'entendez? Ouais. Oui. Donc, je suis content pour Hubert, un gars qui est capable d'avoir une coupe de chiffres. Puis là, ça a payé avec 2 goals. Puis on était capable d'aller chercher ça en prolongation. On ne l'avait pas fait encore cette saison. Donc, c'est une belle fin de semaine passée. Mm-hmm. 4 points, première fois cette saison aussi. Donc, bien content pour l'équipe. Et avant de partir, je voulais parler de la game de samedi qui s'en vient, le match en rose. Il y a une surprise pour toi aussi, Eric. C'est un événement, ça fait 7 ans. Là. Pardon? Une surprise pour toi, Eric. Finis ta phrase, mais vas-y. Ben, c'est ça. Le... Ouais. Bon, parti. Bon. Ben, on va rentrer la surprise. Hey! Ah! Ouais, boys. On vient de perdre Rick, là, ça marche plus. Comment va, Dan? Va bien, les autres? Yes, ça va bien. Ouais, je pense que je t'avais direct dans le bon moment parce qu'il s'est mis à parler de la game de samedi, puis j'ai comme manqué le bout qui a parlé de la dernière séquence de la game. Fait que je ne sais même pas ce qu'il a dit, si c'était positif ou négatif, j'ai aucune espèce d'idée. Ah, il est là! Hey, le gros ballon! Ça va, Rick? Ça va bien. Hey, c'est jamais négatif quand je parle de toi, tu le sais. Ben, c'est pour ça, c'est ça que je viens juste de dire, je savais que tu reviennes, dans le fond, c'est que je n'ai même pas entendu ce que tu as dit sur moi. Fait que je me suis connecté, il était rendu 8h20, puis tu n'as juste de finir de parler de ça. J'ai dit que j'essayais de tout nous protéger pour qu'il arrive de niaiserie. Ben, pour vrai, ça, c'est vrai, par exemple. Tu sais, Rick a pogné une game de suspension, je pense, si je ne me trompe pas, mais pour de vrai, je peux le dire, mais on s'est parlé après la game, on s'est texté, moi, mon frère, puis Rick, parce qu'on se connaît depuis longtemps. Puis Rick, la seule affaire qu'il disait, c'est « Calmez-vous, les boys, calmez-vous, il va y avoir des suspensions, calmez-vous, ça ne donne rien. » C'est la seule affaire qu'il a faite. Les gens pensent qu'on se pogne entre nous autres, mais... Rick Haley n'était pas la personne visée de ma part, mettons. Je pense
Rick a de la misère avec son wifi de la On va souhaiter une bonne soirée à Eric. Là, puis merci d'être venu sur le podcast. Merci de ton temps. J'espère que tu nous entends. Donc, ben, on pourrait faire un petit peu de pouce avec Dan. Ouais, mon Dan. Ça va, toi? Ouais, ça va bien, ouais. Qu'est-ce que t'as-tu coupé? Il n'y a plus de chauffage chez vous? C'est ça, tu mets la tuque ou les temps sont durs? Ou... Ouais, faut-tu que j'ai une calotte sans tête, sinon je vais te couper par main. J'ai pas de casquette, stick, fait que j'ai juste des calottes juniors à côté de moi. Fait que j'ai ramassé une tuque. Ben, tu sais, dans le fond, là, je vais en parler parce que Dan il est là, puis Janine en parler un peu plus tard. Dan il est là, puis il va pouvoir probablement renchérir. Puis c'est le fun qu'il soit là parce qu'il fait partie de la fameuse course à trois avec les scénarios possibles. Yeah. Tu sais, pour le monde qui nous écoute, puis Dan, après ça, tu pourras un peu renchérir sur ça parce que Jonquière est impliqué dans cette course-là. Tu sais, si on regarde Sorel a 32 points, Laval a 30, Jonquière a 29. Il y a beaucoup de scénarios possibles. Les trois équipes peuvent finir deuxième. Jonquière finit avec une game à Sorel à Jonquière, contre Sorel le vendredi. Puis vous jouez à Thetford Mine le samedi. Vous avez quand même besoin d'aide, là. Veux pas, faut vous gagner vos deux games. Il faudrait que Laval batte. Je sais que c'est compliqué pour le monde qui nous écoute, là, mais Laval, faut qu'il batte jeudi Sorel. Après ça, perdre à Thetford. Pendant que Jonquière gagne ses deux games pour aller chercher. Fait que vous autres, vous êtes obligés de gagner vos deux games. Sorel peut gagner jeudi, puis on clôt le débat pour la deuxième place. Il y a encore l'avantage de la glace pour Jonquière, qui est très possible en gagnant leurs deux games, qui sont un point en arrière. T'sais, pour vous autres, Dan, l'objectif, es-tu l'avantage de la glace ou la deuxième place? T'sais, je veux dire, la deuxième place donne l'avantage de la glace, mais tu comprends ma question, qui est la troisième place aussi, qui est très important au bout de la ligne aussi, là. Bon, on va se le dire. Deuxième chance, t'as la chance d'affronter le club le plus hot dans la ligue en ce moment. Juste de même. Non, mais en fait, il faut faire attention parce qu'on reste peut-être pogné. Mais en fait, quand on est revenu, c'est du congé, c'est pas vraiment le congé, là, mais en fait, c'est du deux mois pandémie, mettons qu'on va dire, là. On était quand même assez loin de Sorel, je ne me trompe pas, on était à 8 points, puis même chose pour Laval, les deux clubs on était égal ou à un point de différence. Puis je pense qu'on a les deux équipes, ça l'a quand même très bien été. Puis fait qu'au bout de la ligne, on a été capable de sentir les rattraper, mais au moins se rapprocher beaucoup d'eux autres. Je pense que autant nous que Laval, dans un sens, c'est le fun pour nous autres, ça nous a stimulés, ça nous a même préparé en même temps pour les séries à tenter d'aller rejoindre Sorel. Première des choses, Sorel joue jeudi. Fait un sens, on n'a pas vraiment le contrôle. Je parle de nous, Jonquière, on n'a pas vraiment le contrôle sur ce qui va se passer là. Mais par la suite, admettons que Sorel avait à perdre la game, bien c'est sûr que pour nous autres, c'est une double motivation que le lendemain, c'est nous autres qui jouent contre eux autres. C'est qu'on gagne la game, puis ça nous donne une chance par la suite d'aller à Thetford puis de gagner la game puis de les dépasser. Puis même encore là, on peut gagner toutes nos games. Puis je pense que Laval aussi peuvent gagner leur game puis finir en avant de nous, si je ne me trompe pas. Tous les scénarios sont possibles. Oui, on va avoir l'avantage de la glace, c'est quelque chose d'intéressant. Mais puis par la suite, ben, c'est sûr que si on est capable de finir deuxième, on aimerait ça aussi. Mais je veux dire, là, c'est pas nécessairement pour pogner Saint-Georges, mais simplement pour mieux se placer. Puis par la suite, exemple, dans un avenir futur, que veux pas, tu penses gagner la première ronde, après ça, dans la deuxième ronde, tu ne te retrouves pas à pogner Thetford ou Sorel, fait que, qui sont présentement premier puis deuxième. Fait que c'est sûr que nous autres, c'est un objectif. Mais en même temps, on a fait tout ce qu'on pouvait sans rien enlever à Rivière-du-Loup. Les games qu'on a échappé, c'est les games dans la fin de semaine. Donc, ça nous a fait mal. Mais pour le reste, je veux dire, je pense qu'on est quand même bien positionné. On a travaillé fort. Puis avec le nombre de blessés qu'on a présentement, les gars qui commencent à revenir, je pense que samedi, ça va être la première fois de l'année qu'on va avoir notre plein line-up. Samedi, ça arrive. Puis, mais n'importe quoi vendredi. Là. Fait que, tu sais, je veux dire, je pense que ça va être la première fois de l'année qu'on va un club complètement en santé. Fait que, tu sais, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Puis, on n'en parle pas beaucoup, mais on y a un avantage à glace, je pense, qui passe un peu sous le radar, là, qui est important dans le classement de 2, 3, 4. C'est sûr que personne ne souhaite de perdre la première ronde,
Mais c'est sûr qu'advenant que l'équipe perd la première ronde, avoir l'avantage à la glace dans le 2-3 aussi, c'est un bon avantage parce que tu te ramasses avec deux games sur deux games. Exactement. Ça fait une énorme différence puis ça nous permet justement de mieux se positionner. Puis ça nous est arrivé en fait, là, je pense qu'on est peut-être la seule équipe qui a déjà fait ça, mais une année, on a perdu contre Sorel en 5. On avait gagné en 3 contre Rivière-du-Loup le 2-3. Gagnant 7 contre Thetford, on avait repogné Sorel, tu sais. On est chanceux un peu dans notre ligue, je veux dire, à l'exception de Rivière-du-Loup, que eux, c'est un do or die. Puis si eux avaient gagné, ben dans le fond, c'est Saint-Georges qui se retrouve avec le do or die. Mais tu sais, sinon, les autres, sans dire qu'on a deux chances, tu veux pas jouer pour le 2-3, évidemment. Là, tu veux pour une chose avoir la semaine de break, puis tu veux éviter blessures et ainsi de suite. Mais si tu as à te retrouver dans cette situation-là, ben ça te donne quand même un break de peut-être pouvoir venir. Puis de te rendre quand même un peu plus loin des séries. All right. Good. Yes. Fait qu'on pourrait peut-être te souhaiter là, bon reste de saison et des bonnes séries, puis que ça brasse en masse. C'est pas reste de saison, mais il me rajoute une game. La prochaine, je suis à Sinez Astral, je la regarde. Donc... Ah, bon. T'es encore suspendu. Ah, t'as pogné deux games, hein? T'as pogné deux? Deux? Ouais. J'ai pogné une pour avoir viré le match en dérision. Puis la deuxième pour avoir donné un coup de bâton que j'ai manqué de pogner un joueur dans le ballon d'équipe. Je pensais que c'était pour le striptease, la deuxième. C'est une match en dérision, c'est ça. Mais pour la vraie, je l'ai dit tout à l'heure, mais on était mal pour Rick. T'sais, quand on est parti, là, on était vraiment mal pour Rick. Parce que clairement, les gens voient juste les vidéos sur les plateformes qu'il y a, là. Puis il pensait, toi, tu dois te battre contre le coach. J'étais comme, non, Rick, c'était zéro la personne visée. Il y avait deux personnes visées dans le ballon de bord. C'était pas Rick Haley, assurément. Lui, il a pris le temps de s'en aller devant nous autres pour essayer de nous calmer, mais les faits se sont touchés. Puis mettons que c'était difficile de nous retenir, mais. Fait que, tu sais, on a pris le temps d'y écrire parce que pour de vrai, il ne méritait pas, mettons, sa ligne de suspension au-delà de ouais. Tout ça. Yes. Les gens, souhaité une bonne soirée, boys. Merci, mon Dan. Hein? Les gens le demandaient un peu dans le chat, là, qu'est-ce qui s'était passé. Donc, j'espère que ça répond à vos questions. Oui, c'est ça. Ouais. En fait, je veux juste dire aussi, encore une fois, les gens voyaient juste la vidéo, mais c'était une accumulation de toute la game. Il y a eu des. Tiff, tu le sais, là, tu vois une séquence vidéo, il a fait le fou, ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant les 57 premières minutes avant qu'il fasse le fou, là, tu sais. Puis. Il y avait, oui, de la frustration un petit peu par rapport au score, par rapport à la façon dont notre équipe jouait. Puis, c'est ça, il y avait une accumulation avec quelqu'un en arrière du banc de l'autre côté, puis un joueur de l'autre équipe qui a fait que maintenant, ça a viré en fin de game. Donc, Il est politically correct, Dan, en ce moment. J'adore ça, Dan. Il est politically correct. Je fais attention pour pas me mettre dans la merde, tu sais, à travers personne. Mais, ouais. Que monde, ça, c'est cool. On a une petite idée, mais en même temps, tu gardes ça clean. Faut pas donner les munitions aux autres équipes. Yes, mon Dan. Merci, everybody. Merci, Chum. Merci. Yes, merci. Yes, merci. 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 Pour faire un recap, on a couvert, comme il disait, Jonquière a une chance de finir deuxième. Ça va quand même être une chaude lutte en fin de semaine. Ça va être quand même assez plaisant, là, soyons francs. Ça rajoute un peu au week-end là, qui peut sembler un peu... il y a la game de samedi avec le Pink and the Rink. Là, la Chantal, comment on dit ça, Chantal? Le Pink and the Rink, la game en rose. Je fais comme Martin Saint-Louis. En ce moment. Chantal, comment on dit Pink and the Rink? Chantal, comment on dit Pink and the Rink? La partie en rose qui va quand même être un petit... Tu sais, ça va être plaisant, ça va être un happening. Mais tu sais, les deux games, Rivière-du-Loup-Saint-Georges, soyons francs, on ne peut pas vraiment bouger. Thetford joue ses deux games, mais sont assurés de jouer... sont assurés de finir premier aussi. Mais ça rajoute un peu de piquant à la fin de semaine avec ces games-là, là, avec Sorel, Laval, Jonquière qui se battent quand même pour la deuxième place. Là. OK. Ouais. Hein? Chantal. Merci, Chantal. On pourrait peut-être parler là, des autres matchs.
Est-ce que tu leur parlais un peu du match là, pétrolier vendredi 4-0? Ben, on a fait le tour. On a fait le tour pour l'hommage. Cette game-là, c'est fini 4-0. Soyons francs. Laval a joué une game A1, outstanding. Ils ont très bien joué. Je leur enlèverai pas de crédit. Là. Ils ont joué la game robustesse. Ils ont joué la game bon défensivement. Leclerc a été outstanding dans le net. C'était incroyable. Raph Girard était incroyable, mais on lui a pas donné ce petit lead-là. Je pense souvent, dans mon livre à moi, un petit turning point, puis c'est pas être arrogant de parler de tout ça, mais je pense que le turning point, c'est à 1-0, je m'en vais en échapper, me faire accrocher, prendre un lancer de punition, c'est 1-0, je mets ça dedans, on a une game 1-1, malgré le fait que Laval joue très bien. On se remet un peu dans la game à 1-1. Leclerc, parfait dans le net. Me suit de A à Z, fait une belle arrêt. Score après, je pense, une minute plus tard, je pense que Laval, Danick Paquette fait 2-0. Fait que, tu sais, de... Ça vaut plus. On veut quand même gagner deux games, là, Denis. Mais... fait que, tu sais, je pense que c'est le turning point un peu, cet arrêt-là. Leclerc est incroyable. Ça a fini 4-0. Laval a joué une game très bonne. Pour de vrai, vous avez... Vous n'avez pas joué comme vous êtes capable. Non, mais... Oui, on s'est parlé après la game, personnellement, dans la chambre. On s'est dit, tu sais, on va se le dire, depuis qu'on est revenu de la pandémie, on est 6-2-1. 6 victoires, 2 défaites, une défaite en prolongation. Ça allait arriver qu'on allait avoir peut-être un peu de overconfidence, là. On était un petit peu trop confiants. On est arrivé avant la game. On était un peu trop, je trouve personnellement, peut-être sloppy. On pensait, OK, on est intouchable. On n'a pas gagné la Coupe encore. Puis, j'enlève pas de crédit à Laval en passant. Laval a joué une game. Puis, en passant, Laval va être très dangereux parce qu'avec l'acquisition de Riendo et Narbonne, je trouve qu'ils se sont améliorés énormément. C'est une équipe qui est très, 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 très bonne. Capable de jouer à la game physique, offensif, défensivement, sont très bons avec les Narbonnes sauvés. Je trouve dans ce game-là, Yann Sauvé, justement, on dirait qu'il a pris sa place encore plus. Encore, ouais. Ben, tu sais, il continue à prendre sa place. C'est un gars qui rentre dans la ligue. Bureau-Blais aussi, il fait ça. Bureau-Blais, ce game-là, il joue en avant, il joue à défense, Il jouait aux deux places pendant la game. Mais, tu sais, on s'est parlé. Puis, tu sais, ça l'arrive. Puis, on a juste été un petit peu peut-être au-dessus de nos affaires. Sans enlever rien à Laval. Puis, je veux dire, ça l'arrive. On a perdu 4-0. Tu sais, on a rebondi d'une façon quand même assez convaincante dimanche. On va sûrement en revenir sur ce match-là. Mais, tu sais, on est revenu en rebondissant le dimanche. Mais, tu sais, ça l'arrive, des défaites. Puis, comme je te dis, Laval a joué une game parfaite aussi. Fait que c'est à nous autres aussi de s'ajuster. L'Assurantia a gagné 6-1 contre les Pétroliers samedi. Ouais, ben, l'Assurantia, ils ont joué très, très bonne game. Je ne sais pas si Laval avait laissé un peu d'émotion, disons, dans le match de vendredi avec le match et tout, là, mais l'Assurantia sont sortis fort et ont un peu dominé ce match-là. Là. Ouellet, en plus, lui qui gardait Laval, il a gaulé, le score ne reflète peut-être pas ça, là, mais il a gaulé une très bonne game quand même, parce que l'Assurantia a eu vraiment beaucoup de chances de marquer. Du côté de Thetford, ben, c'est Marco aussi qui était dans les buts. Donc, quand Thetford prend une avance de 2-3 buts avec Marco dans les nets. C'est plate, là, mais c'est pas... Depuis le début de la saison, c'est fini quand ça arrive. Ils n'ont jamais perdu. Donc, ça aurait peut-être pu se terminer dans la game de dimanche. Mais... Ouais, on va pouvoir en parler. On va en parler après. C'est ça, donc, ce match-là... puis on voit que Thetford, c'est une machine bien huilée. Là. Ils ont fait quelques jeux de passe là, dans ce match-là. Là. C'était beau à voir. Puis il y a un joueur aussi qui a connu une très bonne fin de semaine. Bien, il y a deux joueurs chez Thetford, je trouve, qui ont connu d'excellentes fins de semaine. Mimar, qui a fait 5 buts dans sa fin de semaine. deux gros buts à Sorel. Taux de chapeau à Thetford. Puis l'autre joueur aussi qui a joué une très bonne fin de semaine du côté de Thetford, c'est Francis Beauvillier. Francis Beauvillier là, qui a marqué son premier but de la saison samedi. Là, on l'a vu quand il a marqué. Il le savait, puis les joueurs aussi le savaient là, parce qu'il était bien content pour lui. Mais c'est un joueur qui justement a manqué tout le début de la saison. Il est revenu depuis la pause, puis là, commence à prendre son aise. C'est un bon joueur talentueux, là, Francis Beauvillier. Fait que ça aussi, ça rend Thetford encore plus dangereux.
Donc, c'est un bon match de A à Z là, pour Ted Fernminds. Puis Laval, c'était peut-être pas le match qui était le mieux sorti. Mais il avait joué un gros match la veille vendredi. Fait que c'est quand même un week-end satisfaisant du côté de Laval, là, dans le sens que ils ont fini 1-1. Puis aussi, Ted Ferg, il y a un joueur qui a joué samedi. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué, là, mais Francis Wattier. C'est sûr que quand il joue avec les alliés avec lesquels il peut jouer à Ted Ferg, ça l'aide là, quand ça fait longtemps que tu n'as pas joué et tu rentres avec des bons joueurs comme ça. Mais on a vu que Francis Wattier, ils sont capables de le faire entrer une fois de temps en temps en série. Quand ils ont il besoin a pas joué la semaine d'avant aussi, je pense. Il a joué un an. Ouais, il a joué contre nous autres. Ah, OK, ouais, c'est ça. Tu vois que de pouvoir rentrer un Wattier dans le line-up en série quand tu as besoin d'un remplaçant ou juste quasiment comme régulier, c'est un gros plus pour Ted Ferg aussi parce que ça reste un très bon joueur. Yes. Donc, dimanche, le Cool FM s'est bien repris là, de son match de vendredi. Gagné 5-0 contre la Surancia. Ouais, ben, vous savez comment je parle tout le temps. C'est rare qu'on va prendre le crédit, mais sur celle-là, je suis vraiment en franc. Vous savez, vous me dites tout le temps, t'es tout le temps à l'air 1, tu te dis, mais pour de vrai, ça paraissait que c'était 3-3. Nous autres, on avait joué vendredi. On n'avait pas joué samedi, on était reposé. Sans nous enlever de crédit, je pense qu'on a joué une game très bonne. On a été sharp. On avait le zip, là, on avait le edge, là, on bougeait nos pieds. Tu vois que la journée de repos nous avait fait du bien. Sans dire que Ted Ferg n'en a pas joué une grosse. Tu voyais qu'il manquait de gaz. 3-3, c'est pas évident. On venait de gagner 2 games en plus. Puis quand on a pris devant 1-0, 2-0, 3-0, tu vois qu'à 3-3, c'est difficile quand même revenir de l'arrière. Là. Tu voyais que le gaz commençait à... La tank était empty, là. C'était pas le reflet de l'équipe de Ted Fernminds. Mais on s'enlèvera pas de crédit que depuis 3 games contre Ted Fernminds, on joue du gros hockey depuis le début de la deuxième saison, si je peux l'appeler, l'après-COVID. On joue du gros hockey. Puis, tu sais, je pense qu'il y a un nom sur les lèvres de tout le monde en ce moment qui est M. Sébastien Auger. Puis, j'enlève pas de crédit. Je veux pas que si Raph, il nous écoute. Raph, il a perdu vendredi, mais Raph, goal du gros hockey aussi. Nos deux gardiens de but, goal du gros hockey depuis qu'on est revenu. C'est une des raisons pourquoi qu'on est très, très, très bon. Pierre, va te répondre facilement. Sois là, gamer. Parce que je ne le sais même pas moi-même. Je vais être là avec toi, Pierre, à Gamer, puis je vais le savoir. Parce que pour être bien franc, les deux pourraient commencer. Ouais. Les deux sont hot. Les deux méritent de commencer à Gamer. Puis c'est la beauté. Raph et Seb, c'est des bons chums. Il n'y a pas de compétition entre les deux. C'est une belle compétition qu'on appelle une compétition saine. Les deux, ils n'ont aucun problème quand un réussit. Tu sais, quand il a eu son shout-out contre Ted Ferg dimanche, Raph l'attendait. C'est le premier. Après la game, ils sont assis à côté de l'autre. Ils jasent. Il n'y a aucune bagarre à l'interne. Tu sais comment? Je veux le net. C'est à moi. Puis ça va super bien de ce côté-là. Mais pour répondre à Pierre, je pense que les deux peuvent commencer série. C'est sûr que... Il y a une joke bizarre, mais s'ils sont commencés contre Ted Ferg, d'après moi, c'est OG qui commencerait. Parce que là, il a l'air d'avoir son numéro. Mais Raph pourrait commencer aussi. Parce que je sais qu'il est capable de les battre. Puis je sais qu'il est capable du gros hockey. Mais en ce moment, le mot sur les lèvres de bien du monde à Saint-Georges, c'est OG et Girard. C'est des goals du gros hockey. Mm-hmm. Ça nous donne une chance à tous les soirs. C'est épouvantable comment ces deux-là, je pense, ils se sont ressourcés pendant le 2 mois d'arrêt ou peu importe combien de temps qu'on a arrêté. Puis ça nous donne, comme je vous dis, complètement une autre dimension. Ouais, puis tu sais, je pense que le point, tu sais, c'est rare qu'un point tournant, ça arrive tôt dans le match, mais moi, selon moi, le point tournant du match de dimanche, c'est Sébastien Auger, parce qu'en début de première période, Ted Ferg ont pogné, je pense, 3 breakaways, coup sur coup, puis 4 breakaways, coup sur coup, puis Auger, ils ont tout arrêté. Fait que c'est sûr que, tu sais, t'as un début de match, si on veut, un petit peu chancelant, dans le sens que, tu sais, t'as accordé des revirements qui ont mené à des breakaways. Tu vois que ton gardien, il est hot à soir, puis que s'il se passe de quoi, hey, les boys, je vais les arrêter, inquiétez-vous pas, ça l'enlève toute la pression du monde, puis après ça, tu peux jouer comme, tu sais, comme la game comme il faut. Puis de l'autre équipe, de voir ça,
Puis on dit tout le temps ça aussi d'une game de hockey. Quand tu vois que tu as des chances à plus finir puis tu ne réussis pas à marquer, tu dis hey, s'il faut que l'autre équipe marque le premier but, ça va faire mal. Je pense que c'est ça un peu qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. Puis comme je t'ai dit, c'est aussi 3-3, ça paraît. Là. Nous, on a eu la chance de jouer 3-3, mais on a joué contre Jonquière un 3-3 que Jonquière jouait un 3-3. Fait que les deux équipes arrivaient sur un 3-3. Tedford a eu la malchance de pogner un 3-3 contre une équipe qui en avait joué deux avec une journée de congé. C'était un peu plus difficile pour eux autres. Là, tu le voyais, mais à Tedford aussi, il y a tellement de changements dans le line-up que probablement pas tous les joueurs ont joué toutes les trois games, soyons francs. Là, on a vu des Alex Giroux. Giroux a joué dimanche. Alex Giroux a joué dimanche. Ouais. Yann Joseph, je ne sais pas s'il a joué samedi, mais il a joué vendredi. Gab Lemieux avait été suspendu, donc il n'a pas joué samedi. Rattel avait eu deux games. Rattel est revenu dimanche. C'est sûr que ce qui ne les a pas aidés, c'est en partant, tu pars la game, il y a les deux bagarres et il y a la bagarre qui est sur le même chiffre entre Lozier et Breton. Et Lozier se fait expulser et Breton se font expulser pour bagarre sur le même chiffre. Personnellement, je pense que ça n'a pas aidé. Tu viens de jouer un 3-3, puis Lozier s'en va, tu tombes un gars short, ça peut faire mal là, de ce côté-là. Là, fait que ça ne les a pas non plus aidés. Puis, comme je vous dis, là, après ça, OG était hot, nous autres, on était opportunistes, puis à un moment donné, la tank était vide du côté de Tedford. C'était très difficile. Là. Une première défaite pour Marcou dimanche? Non, ce n'était pas la première défaite de Marcou parce que Cadorette a donné le premier goal de la game. Il aurait fallu que Tedford score un goal pour que Marcou soit crédité de la défaite si on gagnait. Dans le fond, la défaite va à celui qui donne le winning goal, le but vainqueur. Et c'est Cadorette qui avait donné le premier goal. Fait que non, pour répondre à Pierre, ce n'est pas la première défaite de Marcou. Penses-tu qu'en troisième période, Marcou, il voyait son club attaquer et il était comme « Ouais, OG, man! » Bon, il est venu sur notre podcast, on rit avec ça. Il l'a dit, je pense pas que c'est quelque chose qu'il veut le bien de l'équipe. T'sais, je l'ai vu à la fin de la game, peu importe qu'il n'y avait pas la victoire ou la défaite, à la fin de la game, il a donné un goal puis il a pété son hockey sur le net puis il a lancé le puck, il a pogné l'arbitre. Tu vois que c'est un vrai. Tu vois que le gars, peu importe la séquence qu'il y a en ce moment, il était probablement en crise après lui-même. Il aurait voulu arriver. Puis, c'était tough pour lui. Là. Il arrivait de même, bang, en deuxième période. On l'a bombardé tout en partant. C'est pas évident. Mais, Marcou a été très bon. Il a fait des grosses arrêts. Là. Il était sharp. Là, pour le monde qui voit le score, oubliez ça. Il y a eu un filet désert. Puis après ça, les deux autres goals, là, l'autre bord, il pressait par en avant, puis là, ça partait 2-1, 3-1. Fait que, tu sais, ça reflète pas le 5-0, ce que vous voyez. C'est dur à arrêter. C'est ça. Fait que tu sais, on taquinait. Je vais faire une joke, là je vais peut-être me mettre dans la merde, mais j'ai fait une joke. C'est pas vrai, là, le monde qui m'écoute, reprenez-moi pas, là, c'était une joke. Mais à la fin de la game, je me suis dit, mets ça à puck dans mon net. Comme ça, Marcou perd sa première game. Puis là, je dis, je peux pas faire ça à OG. Je peux pas faire ça à Marcou. Mais on taquine, j'aurais jamais fait ça. Là. Je fais une joke là, pour pas que le monde me compte après et ils disent que je voulais faire ça. C'est une joke. Là. Prenez pas ça au sérieux. Là. C'est une joke. Yes. Donc, messieurs, on va aller aux vidéos là, des jeux de la semaine. Mm-hmm. On va voir si le Highlight TIFF est encore là cette semaine. Mais. Restez avec nous parce qu'après, on va aller au pronostic du TIFF là, pour la première ronde des séries. Pour les séries. On fait ça, oui. Puis on va parler le quiz, le TIFF, le TIFF quiz. Donc, restez avec nous. On revient dans quelques instants. Yes. La Croix et c'est Marcou. Tire! Quel arrêt! D'Étienne Marcou! Wow! Mimard à Beauvilliers. Drolette pousse plus loin vers Saint-Cyr. Beau jeu de Drolette. Saint-Cyr tire le but! Maxime Saint-Cyr, son deuxième de la soirée. Et c'est 4-0, les 3L sur... Je
met dans la zone de Tedford. Et là, Gabriel Poirier-Boudreau. Et quel tir! Poirier-Boudreau qui compte! Avec seulement 15 secondes au match. Quel revers de Poirier-Boudreau qui vient marquer dans la lucarne. Eh bien, la première étoile de la semaine dernière dans la ligne américaine qui vient enfiler un autre but. Avec Lauzier cette fois. La remise à Lauzier. Elle a break le tir. Et l'arrêt de Ouellet du bout de la mitaine. Mais Pierre, Ouellet ne sera certainement pas à blâmer pour la défaite des pétroliers ce soir. Non, parce qu'il a eu. C'est arrêté par Réaume, mais Réaume qui va s'en aller avec Tifu. Réaume à Tifu. Tifu, feinte, tire. Le but! Okay. Yannick wow. Tifu! C'est 2-0, Maxime! Quel but de Yannick Tifu qui s'est moqué complètement de Marcou là-dessus. Hop ben. Ah, mais tu sais, la dernière fois, j'avais mis Tifu deuxième, puis Gélina premier, fait que là, je me suis dit, ah, il mérite sa première place. Yes. Donc, les pronostics, c'est là, gaffe, prenez des notes, là, sortez votre papier, votre bloc-notes, là, votre stylo pour vos paris. Ben, sérieusement, ça va être très difficile, tu sais, je veux dire, tout le monde peut battre n'importe qui dans la série, là, fait que je peux pas me prononcer de ce côté-là. Moi, personnellement, si je peux dire une chose, je pense, si je vais avec un pronostic, je pense que pour la deuxième place, Sorel va aller chercher la deuxième. Ça, je pense qu'il y a un peu la destinée entre les mains, là, avec deux games à faire, il faut qu'il en gagne une. Je pense qu'ils vont quand même, ils vont aller en chercher une de ce côté-là. Mais tu sais, côté pronostic, t'as aucune idée, tu sais, Jonquière, tu sais, tu regardes Tedford Mine, qui a perdu trois games dans l'année, puis les trois dernières games, on les a battus, on était cinquième. Dans les défaites qu'ils ont eues, Tedford Mine, ils ont perdu contre Rivière-du-Loup dans l'année. Tu sais, dans les séries, on en parle souvent dans cette ligue-là, c'est une autre ligue. Les gars, ils travaillent 40 heures semaine, ils arrivent, Dave, ça fait assez longtemps qu'il le voit aussi, qu'il l'a vécu. Les gars, là, ils travaillent 40 heures semaine, ils arrivent le vendredi, c'est comme si c'était complètement un autre game. Ils se mettent à bloquer des shots avec des dents, ils ont les poignets enflés, ils ont de la glace partout après les games. Tu te dis, tabarouette, le gars, man, il travaille lundi matin, il faut qu'il se lève. Tu sais, je veux dire, fait, c'est complètement un autre game. Puis je sais que le classement, tu sais, une fois, on le dit souvent, une fois rentré en série, tout peut arriver. Le classement dans la Ligue nord-américaine est vraiment important du côté du mini 2-3. Le mini 2-3, tu veux te donner une chance, un peu ce que Dan a dit tout à l'heure. Tu ne veux pas espérer rentrer dans la série parce que tu as perdu la première ronde, mais tu as la chance de l'avoir, ce mini 2-3-là. Fait que la saison régulière te donne comme une manière de dire, hey, si je peux finir un peu plus haut, je vais aller chercher ce mini 2-3-là s'il arrive quelque chose en première ronde. Mais comme je vous dis, tu sais, tu regardes Rivière-du-Loup qui a eu une saison un peu en dents de scie, ça va battre Jonquière 7-0 à la maison, puis 5-4. Tu sais, je dis, tout le monde peut battre tout le monde. Fait que, tu sais, j'irai pas d'un pronostic en tant que tel. Tu sais, c'est sûr, si tu me le demandes, ben qui est favori? Ben oui, Tedford Mine est favori. J'ai une question pour vous, justement, un peu par rapport à ça. Tu sais, le fait que Sorel et puis la Surancia, peut-être là, dans les dernières semaines, ont un petit peu plus de difficultés. Croyez-vous que c'est inquiétant pour ces équipes-là de ne pas arriver là, avec autant de ferveur de rentrer dans les séries là, sur une bonne séquence? Est-ce que ça a un impact? Ben moi, je vais répondre pour Sorel. Puis sérieusement, que de la manière qu'ils sont en dents de scie depuis leur retour, qu'ils sont up and down, c'est une équipe que tu ne peux pas prendre à légère parce qu'ils jouent mal, parce qu'ils ont gagné deux coupes de suite. Fait qu'ils savent comment gagner. Fait qu'à un moment donné, ça peut arriver un slump. Puis j'ai pas. Ils font. Même là, si tu me dis demain matin, ouais, tu vas pogner Sorel, que là, ça va moins bien. Non, t'as pas le droit, ils ont gagné deux coupes de suite. Là. Les playoffs commencent demain matin. Là, c'est des gars qui ont gagné des coupes. Là. Ils savent comment que ça marche. Tu sais, la soif de ça, ils l'ont. On a eu Chris sur le podcast. Il l'a dit, les gars, ils ont hâte de retourner en série. Ils n'ont pas pu défendre leur site l'année passée. Ça commence à être long. Fait que tu sais, tu regardes ça, non. Tu sais, Tedford Mine, c'est une équipe que oui, ils ont des difficultés dernièrement. Ils ont échappé plus de games en trois semaines qu'ils l'ont fait en huit mois. Tu sais, je veux dire, oui, mais est-ce que c'est une équipe qui sait comment gagner? Il y a des gars qui ont déjà gagné des coupes là-dedans. C'est des gars qui sont expérimentés. Mmh. Tu sais, Jonquière a déjà gagné des coupes. Les gars à Laval, ils jouent très bien dernièrement. Ils s'en viennent de la bonne manière. Rivière-du-Loup. Mmh. Fait que tu sais, non.
toutes les équipes ont un petit quelque chose qui fait que tu te dis, tabarouette, OK, ils ne sont pas à prendre à la légère. Je ne sais pas si je m'exprime bien de la manière que j'essaie de le dire. Là, mais c'est sûr que si on regarde ça froidement, tu sais, les pétroliers, le cool, puis les 3L là, qui ont eu, tu sais, les 3L, deux victoires dans la dernière fin de semaine. On le sait que le coup, ça va bien par les temps qui courent, mais les pétroliers, là, quand même, je pense que c'est une équipe là, qui va être très dangereuse en série. Très dangereuse en série. Va falloir se watcher. Là. Justement, il peut y avoir des surprises en première ronde. Ouais. Il peut y avoir des surprises en première ronde. Ça peut arriver. Là. C'est ça la beauté. Puis qu'est-ce qui est le fun aussi, tu sais, la dernière fois qu'il y a eu du hockey de playoff, là, c'était en 2019. Veux, veux pas, ça fait 3 ans qu'il n'y a pas eu de hockey de playoff. Fait que je pense que c'est ça un peu la beauté. On sait comment c'est une autre saison. Fait que je pense que c'est encore plus, juste le terme anglais, là, mais unpredictable cette année. Chantal. Oui, Chantal, hein, c'est quoi? Imprévisible. Merci, Chantal. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais. Fait que c'est vraiment le fun que cette année, justement, vu que ça fait tellement longtemps, tu sais, on parle de Rivière-du-Loup, c'est sûr qu'il y a peut-être des favoris, on ne se le cachera pas, mais tu sais, c'est un Villemaire taillissable en saison régulière, en série, et c'est trois fois pire. Chabot, c'est ça, c'est un autre game. En plus, tu sais, veux pas, faut pas négliger, là, Rivière-du-Loup, on a la chance d'avoir deux, tu sais, Toffe, Ampoulin et Lévesque qui peuvent jouer des schistes réguliers. Ça vaut de l'or en série. Ça peut permettre, Thetford, on le sait, ils ont une équipe tough, mais d'avoir des joueurs pour répondre au niveau du loup, ça va peut-être les calmer. Je pense que ça va faire une bonne série. Ensuite de ça, c'est sûr, c'est pas coulé dans le béton, là, mais mettons Sorel, le cool. La dernière fois qu'il y a eu des playoffs, Sorel et Saint-Georges se sont affrontés. On se rappellera, Chris avait lancé une petite pointe. À Raymond de la Roseville quand il trouvait que ça jouait salaud, puis Chris a dit ouais, mais tu sais, en playoff, ça fait longtemps qu'on est là, c'est de même que ça joue en playoff, c'est salaud. Mm. Je pense que c'est le genre de truc que je suis sûr que les joueurs du cool vont s'en rappeler, puis ça va jouer rude, ça sera pas facile. Puis s'il y a une série aussi, Jonquière contre Laval, advenant que ça soit ça, ça se peut que ça change, mais tu sais, Jonquière contre Laval, c'est un club qui ont beaucoup d'historique. La dernière fois que, c'est sûr que c'est plus les mêmes joueurs exactement, mais tu sais, Francis Desrosiers était là, mais la dernière fois que Laval l'avait joué en playoff, c'était avec les défunts prédateurs, puis ça avait été contre Jonquière, puis cette année-là, Laval, c'est l'équipe qui avait donné le plus de fil à retordre à Jonquière, même si Jonquière était allé gagner la coupe. Donc, puis tu sais, les fans à Laval aussi, là, les fans à Laval en série aussi, c'est quelque chose. Mm-hmm. Moi, je pense qu'il va y avoir des très bons match-ups, puis pour de vrai, je pense que les deux équipes qui sont peut-être un petit peu plus jeunes, après la pause du COVID, ils ont comme une switch, je parle en Rivière-du-Loup et Saint-Georges, nous autres, on a beaucoup de jeunes, puis Rivière-du-Loup était pas mal jeune, ils ont comme heat up, là, ils sont devenus, ils ont pris comme une coche, ils jouaient un petit peu mieux, fait que ça peut juste donner encore des meilleures séries, tu sais, exemple, là, on était au bas du classement, on se fait pas de cachette, Rivière-du-Loup, Saint-Georges, puis imagine que c'est pas fameux, on revient du COVID, c'est encore pire. Puis là, tu aurais pu dire la série, là, 1 versus 6, puis 2 versus 5, aurait pu être un swipe. Là. Mais tu sais, je pense qu'ils ont heat up au bon moment. Tu sais, Rivière, Sorel, puis Thetfordman au top, en haut. C'est des équipes qui ont de l'expérience, malgré le fait qu'ils ont eu des hauts et des bas. Fait que ça peut juste faire une bonne série au bout de la ligne. Puis je crois qu'on va avoir des bonnes séries. Peu importe si le classement reste de même. Tu sais, Laval-Jonquière, là, on va se le dire, ça va faire mal, cette série-là. Là. On se fera pas de cachette, là. Ça va faire mal. C'est deux équipes qui peuvent jouer la game skills, deux équipes qui peuvent jouer la game robustesse. Ils peuvent faire tout. C'est des équipes qui sont formées pour ça. Au bout de la ligne, pour de vrai, je pense que si tout reste de même, on va avoir droit à des belles séries dans la Ligue nord-américaine. Là. Des très belles séries. Puis il y a un commentaire, Goula Bossière, qui dit Thetford vont vouloir venger leurs deux séries perdues dans les dernières années. C'est sûr, tu sais. Sorel ont gagné deux dernières coupes, mais on s'entend que dans les deux dernières années, le meilleur club, ça a été Thetford, mais ils n'ont jamais pu le prouver, ils n'ont jamais pu jouer en playoff. Mm-hmm. Puis autant ça peut jouer pour eux autres qui vont avoir faim, autant je pense que ça peut leur mettre de la pression, parce que mettons, ils échappent la première game contre Rivière-du-Loup ou quoi que ce soit, je sais pas, peut-être ça va leur rentrer dans la tête de dire « Hey, Colin, faut qu'on gagne, là, tu sais, puis c'est peut-être qu'ils vont jouer le bâton plus serré, tu sais, on sait pas, parce que, veux pas, Thetford, ils vont avoir de la pression à gagner cette année, parce que tout ce qu'ils ont fait dans
les deux dernières saisons, s'ils ne gagnent pas en série, ça va avoir mené à rien quand même, même s'ils ont dominé la Ligue pendant deux saisons. Fait que ça aussi, ça va être quelque chose à surveiller qui va être le fun là, pendant les séries. Fait que, non, c'est vraiment, il n'y a pas de... Moi, je pense qu'on va avoir des belles séries de A à Z. Là. Je pense pas que ça va être... surtout cette année, on a eu la chance, oui, on était arrêté pendant longtemps, mais ça donne encore plus faim aux gars rendus en série. Ça fait deux ans qu'on n'a pas eu de série. On était encore arrêté une fois. T'sais, on le sait tout, on joue au hockey, la saison régulière, c'est bien le fun, on a du plaisir. Mais on joue tout au hockey pour une seule raison, c'est gagner un championnat, jouer dans une série, l'adrénaline de jouer pour quelque chose, un enjeu. Fait que imagine comment l'excitation va être complètement différente après deux ans d'inactivité en série. Moi, je m'attends juste à des belles séries de la Ligue nord-américaine cette année. Ça, c'est j'ai juste hâte de voir les premiers 60 secondes de la première game en série. Les gars vont être allumés. Là, ça va être incroyable. Je pense qu'il va y avoir du monde dans les stands aussi. Je dis ça. Bon d'en voir. Ouais, on voit déjà. On le voit dernièrement dans les attendances dans la Ligue, comment ça l'a haussé aussi. Le monde avait hâte de... c'est quoi attendance en français? Les assistances ont grimpé dans la Ligue, pour de vrai. Le monde, ça fait longtemps qu'ils sont à la maison. On sait, le code QR est terminé. Le monde peut venir dans les amphithéâtres. Fait que, ça l'aide beaucoup de ce côté-là. Le monde est excité d'en voir leurs équipes. Ça fait assez longtemps, puis... Comme je te dis, je pense que ça va être assez impressionnant comme série cette année dans la Ligue nord-américaine. Ça va être relevé. Je pense que tout le monde est unanime aussi dans le chat. Là, Stéphane Godet qui dit que le classement est trop serré pour les pronostics de série. Oui, c'est ça. Ça, c'est les équipes step up. Denis Arsenault qui dit ce que vous dites, c'est les gagnants du premier tour. Ça ne sera pas assurément les équipes 1-2-3. Ben, pas assurément, dans le sens où ça peut être n'importe qui, Denis. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être n'importe qui à voir comment les équipes jouent en plus ces derniers temps. Je pense qu'il y a peut-être des doutes qui peuvent planer dans l'esprit des gens. Je pense qu'il n'y a personne qui va arriver et être trop sûr là, en série. Comme le TIF le disait, là, je pense... Puis, tu sais, c'est encore plus ça fun parce qu'on est déjà super excités, mais il y a un autre show la semaine prochaine qui va être le vrai show avant les playoffs. Fait que ça va être le fun. Là, on va savoir qui affronte qui aussi. Ça va être officiel aussi. C'est quoi qu'on fait pour ce show-là? On invite-tu une couple de personnes? Je sais que la semaine prochaine, là, il y a Maxime Duquet, là, l'analyste du Cool FM, qui va venir nous jaser un petit peu. On va essayer d'inviter du monde, là, préparer les séries, ça va être le fun. Peut-être essayer de préparer des rivalités. Là. Des rivalités. On va essayer de pogner deux joueurs qui se sont pognés. Moi, ce que j'aime beaucoup suivre, c'est encore là, c'est plate, mais j'ai rien que le maudit terme anglophone. Là, mais tu sais, c'est les storylines, les grandes lignes là, qui font. C'est quoi qui fait que ces deux match-up-là sont en hot, puis c'est quoi, genre, l'historique quand t'es, tu sais, fait. Je vais te le dire, franchement, deux ans, c'est triste parce qu'on aurait eu une belle storyline, là, deux ans, quand la pandémie est tombée, parce qu'on commençait les séries Thetford-Saint-Georges, qui est quand même quelque chose de le fun à voir pour les deux villes. Ça aurait été le fun, là. C'est une belle rivalité qui existe depuis des années, fait que, tu sais, ça aurait été très plaisant de voir ça. Mais tu sais, on a tout un peu notre rivalité, là. Tu sais, veux pas. Tu dis, ouais, mais ça aurait une rivalité avec Laval. Ouais, mais ils ont une rivalité aussi avec Jonquière. Tu sais, comme tout le monde a sa petite rivalité, rivalité avec quelqu'un. Il y a tout. Tu sais, à six clubs, on se fera pas de cachette, là. Il y en a pas 32, là. À six clubs, ils s'en passent des affaires. Fait que, tu sais, la mémoire est longue. Fait que là, tu sais, tu reviens, puis tu sais, veux pas, là. Les rivalités se créent tout seul, tu sais. Ouais, puis tu sais. Je me rappelle en 2019, en demi-finale, quand justement Sarah avait joué contre Saint-Georges, c'était comme le seul deux clubs que c'était comme « Ah, ça fait vraiment longtemps qu'ils ont joué contre en série, il n'y a peut-être pas tant de rivalité, mais là, une ronde en série, c'est fini, il y en a une rivalité maintenant, puis s'il fallait que Sarah joue contre Saint-Georges cette année, ben, ça va être le rematch de 2019, ouais, c'est ça. Ça va être une grosse série. Fait que, y a toutes les équipes, là, il y a de quoi. Hein. OK. Yes. Donc, on y va peut-être le petit DTF quiz. Yeah. Yes. Allons-y. Je suis prêt.
Attends, mais j'ai une petite image, là. Une petite image des fois qu'on met là, dans notre autre podcast. Ma bobblehead? Yes, sir. Yes. OK, le petit quiz est assez simple. Puis je vais rajouter une petite question bonus au bout. Mais là, il y a du monde qui ne peut pas répondre dans le chat. Là. Il y a du monde qui ne peut pas répondre parce que là, ça va être trop facile. Mais on va essayer de voir s'il y a du monde qui connaissent ça. Vous allez comprendre qu'il y en a qui ne peuvent pas répondre. Là. J'espère que ceux qui sont visés ne répondront pas. La première année qu'il y a eu le mini 2-3, on a beaucoup parlé ce soir du mini 2-3. Mm-hmm. Nommez-moi les deux équipes et le résultat du premier 2-3 de l'histoire de la Ligue nord-américaine. Je pense que je sais. C'était pas Jonquière-Sorel? Non. Non. Il y a une des deux équipes dans ça, qui c'est la seule équipe qui l'a joué deux fois, ce 2-3-là. Ouais. Ils sont 1-1. Mais la première année du mini 2-3. Philippe Théberge a écrit « En 2015, quand Isothermique a gagné la Coupe, on avait fini quatrième, je crois, finir premier, ça me fait pas. Oh, non, je pense que ça ne fait pas. Non, ça fait pas. Je vais vous donner, j'ai vu Samuot qui a marqué Saint-Georges Thetford. Ça, c'est la deuxième année. Ça, c'est la deuxième année. Thetford avait gagné 2-1. Ah oui? Ça, c'est la deuxième année. C'était pas en 2016-2011? Non, 2016-2017, c'est la première. Ça, je voulais dire, 2016. Je pensais que c'était ces deux clubs-là, mais en 2016. Ça, Félix, c'est du genre. Non, il avait joué contre en première ronde, c'est vrai. C'est de première ronde. Non, mais 2017-2018, c'était Thetford contre Coole. Thetford avait gagné 2-1. Il y a l'année d'avant. Stéphane. Il y a Antoine Maheu qui est là. Moi, je le sais. OK, je pense que je le sais. Antoine Maheu, là. Rivière-du-Loup-Saint-Georges. Oui. Rivière-du-Loup-Saint-Georges. Le score de la série était combien? Et la game de Rivière-du-Loup avait été jouée où? Ah, ben ça, ouais, ça, je le sais. Le score de la série et où avait eu lieu la game à Rivière-du-Loup? Bon, ben. Toi, c'est top, répondre, c'est avant, les équipes impliquées. 2-1 Rivière-du-Loup, mais Antoine Maheu, il dit. Non. 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 Je vais le dire, c'était 2-0. C'était 2-0 et la game, mais Antoine Maheu avait raison à la Pocatière. Ouais. La game avait lieu à la Pocatière. Saint-Georges avait gagné 2-0 la série. Et l'année d'après, on avait perdu. C'est pour ça, Denis. Pour ça, Denis, je disais, dis rien, parce que je sais que Denis, il savait. <là. rire> Zip! Ouais. On avait joué à la Pocatière. On est la seule équipe, le Coole, qui l'a joué deux fois ce mini 2-3-là. Ça veut... C'est pas bon de dire ça. Ça veut dire qu'on a perdu deux fois en première ronde. Ça, je comprends bien. Il y avait 203 non plus. C'est pas bon non plus. Mais hey, je vais vous dire, ben, franchement, la Pocatière avait été incroyable. L'amphithéâtre était bien plein. On avait eu du fun. C'est une belle amphithéâtre. On avait eu du plaisir. C'était vraiment, vraiment cool pour de vrai. Je m'en souviens comme c'était hier. Les gars avaient joué au two-touch, là, au ballon, au soccer là, avant la game. Dehors, on était en short. Il faisait chaud. Je me souviens, c'était sharp. La Pocatière, l'aréna était bien pleine. C'était une belle petite aréna. Là. Ça avait été plaisant. Puis... Il avait joué aussi Rivière-du-Loup dans les séries avant. Il avait joué contre Thetford aussi une fois à la Pocatière. Puis c'est ça qui est le fun à la Pocatière. Tu sais, l'aréna, c'est peut-être 1500, mais en série, il est rempli à craquer. Fait ouais, c'était sharp. Mm-hmm. Fait que c'était ça mon quiz. Yes. Fait que peut-être juste. Fait que dans le fond, il y a eu trois séries de 3 en passant. Là. OK. Ouais. L'autre, ça a été Jonquière, Dan l'a dit tout à l'heure, qui sont revenus pour gagner la mini de 3 pour revenir. C'était contre. C'était-tu contre Thetford ou c'était contre Rivière-du-Loup? Ça ferait que Rivière-du-Loup est... ouais, parce que vous aviez battu. Ouais, Rivière-du-Loup est allé deux fois aussi, désolé d'avoir. Ah ouais, c'est Rivière-du-Loup est allé deux fois. Contre nous autres, puis contre Jonquière. Jonquière est la seule équipe qui a quand même repassé proche de regagner le tout après avoir perdu. Là. Ouais. C'est impressionnant. Là. Je vais faire ça. Ce qui est fou de ça, c'est qu'il avait fallu... Il avait fallu qu'en finale en 2019, Sorel batte Jonquière batte Sorel
en 6 ou 7 matchs en finale. Il aurait fini avec une fiche perdante contre Sorel en série, puis il aurait gagné la coupe. Ouais. Ça aurait été fou. Ouais, ça avait fini. Si, Denis, tu me rappelles bien, je pense, Rivière-du-Loup, avait-tu gagné la première game de cette série-là? Puis, je pense que Jonquière avait gagné les deux autres. Si je ne me trompe pas, Denis, rafraîchis-moi la mémoire, mais je pense que Rivière-du-Loup avait gagné à Game 1, si je ne me trompe pas. Peut-être que je me trompe, là, mais je pense que Rivière-du-Loup avait gagné à Game 1 et avait perdu Jonquière back-to-back. Mais je ne suis pas sûr à 100%. Mm-hmm. Fait que, juste faire peut-être un petit survol là, des matchs de la semaine prochaine, les matchs à venir là, qui restent. Jeudi, Pétrolier, Pervier. Je vais être là. Ouais. Je vais être présent à... Pour le monde qui sont dans le chat, si vous voulez, je vais être là, je vais être dans les estrades. Je vais avec le cousin, Mathieu Ricard. Je suis dans les estrades. Je vais aller voir ce qui va être... pas le podcast SDH jeudi, ça fait ça. Désolé, je te l'annonce en primeur, Seb. Je suis pas là, je suis à la game. J'étais à la game, je vais aller voir cette game-là. ça va être une très bonne game. T'en viens scotter parce que peu importe qui gagne, c'est des bonnes chances que ce soit aux adversaires. Ouais. Non, mais je veux juste voir. Je pense que ça va être une bonne game dans l'ensemble. Ouais. Je crois que... C'est personnel. Peut-être que je vais faire le podcast de live de l'Arena. Olivier Gaulin-Gingras qui demandait de faire un Datev Quiz jeudi en direct. Live de l'Arena. En direct. Colisée-Cardin. Vendredi, Assurantia Pétrolier. Mm-hmm. Yes. 3L Cool FM. Sorel-Jonquière. Épervier, ouais, c'est ça. Sorel-Jonquière. Samedi, Marquis Assurantia, Cool FM 3L. Ouais. Donc ça va être, comme je te dis, ça va aller dans. Tout va dépendre de jeudi, la game. Mais si jeudi, la game, Laval gagne, on s'en va jusqu'à samedi pour. Ah, OK, merci, Denis. Vous avez gagné à deuxième, perdu 1 et 3. Si jeudi Laval gagne, on va avoir une belle fin de saison de ce côté-là. Sinon, on va en avoir une belle pareille parce que Laval et Jonquière pourraient se disputer l'avantage de la glace aussi. Oui, ça aussi, c'est important. Hein, on sait toujours. S'il faut qu'il y ait une game set, c'est sûr que tu peux la jouer à main. Oui, c'est ça. En terminant, peut-être regarder un petit coup d'œil au top 5 des pointeurs. Donc, la course. Ouais. Ben, la course est pas mal finie, va te le dire. La course qui va être le fun à regarder, là, ça aussi, ça va être le fun. Là. Ben, les buteurs, parce que Saint-Cyr et Goulet, les deux sont à 26. Fait que ça, y a une lutte à finir pour ça. C'est sûr que les points, ça m'étonnerait qu'Olivier se connaisse une fin de semaine de 13. De 12 points. Pour être bien honnête. Mais, fait que ça, Saint-Cyr a gagné. Mais advenant que Saint-Cyr ferait une fin de semaine de 5 points, il finirait avec 2 points par match, ce qui n'a jamais été vu depuis... Kevin Cloutier, Piper. Cloutier, exactement, en 2008-2009. Donc, ça serait intéressant. Puis, si jamais Goulet et Saint-Cyr arrivent à marquer au moins 2 buts chaque, eux aussi vont finir avec 2 buts par match. Par match qui n'a pas été fait depuis 2008. C'était Michel Picard à Thetford. Ouais. Donc, ça aussi, c'est pour les friands de statistiques. Là, ça aussi, c'est deux petites courses vraiment le fun qui vont être à suivre cette semaine là, dans les matchs de Rivière-du-Loup et de Thetford. Yes, sir. All right. Donc, merci à tout le monde. Le titre va finir dans le top 3 des pointeurs aussi. Ça aussi, c'est juste une coupe, moi. Moi, je veux une coupe. Déjà, commencer à penser au playoff. Je veux une coupe. On achève, là, le titre, il achève. Là. Il est plus jeune. Oh. Ben il achève. Il achève. Donc, merci tout le monde d'avoir été des nôtres là, ce soir pour encore une excellente émission. Merci à nos invités, Éric Allé. Merci aussi au Dan Malouin. Là, en plus, là, c'est quelqu'un qui avait écrit dans le chat, ça serait drôle si Dan Malouin s'en venait. Je l'ai comme texte. Bon, on ne sait jamais qui peut se pointer sur le podcast. Non, c'est ça. On ne sait jamais. Donc, restez au courant, là. On devrait probablement faire une petite annonce là, dimanche quant à qu'est-ce que devrait ressembler l'émission là, de la semaine prochaine. On va essayer de vous avoir plusieurs invités. Sinon, ben, allez voir les matchs là, en fin de semaine, les derniers matchs de saison régulière. Ça devrait être encore une fois chaudement disputé et les séries s'en viennent. Ça sent les séries, tout le monde. Enfin. Ouais, pas encore, il fait trop frais dehors encore. Mais quand il fait chaud, ça s'insérie. Mais ça,
pas de série depuis 2019. Là, ça va être quelque chose, mais que ça commence, là, ça va être le fun. Puis j'espère que les arénas vont être remplis. Mathieu Landry qui dit « Le TIF dit à Larry que je n'irai pas faire pipi après la game samedi cette semaine. » Je la comprends pas. Je sais pas c'était quoi inside. Ouais. À la game de samedi là? Ouais, je sais pas. Sûrement parce que j'ai pas joué samedi. Je sais pas. Peut-être. Ouais. Yes. Bon. All right. Bon, ben sur ces belles paroles, ciao, ciao tout le monde. Ciao les boys.